avant de recommencer sur Planet Coaster, parce que j'ai pas live depuis mercredi dernier sur Planet Coaster, donc ça fait 6 jours, énormément de gens m'ont demandé de live parce que vous attendiez la suite de la série. Il faut se souvenir que, comme je disais juste avant, nous sommes à 3000... déjà, c'est, si vous connaissez pas le jeu, c'est très simple, c'est un parc d'attractions qu'on doit construire. Très sympa. Honnêtement, j'ai découvert ça il y a une semaine, 10 jours à peu près. Moi, je suis très fan des jeux de gestion. Enfin, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé Football Manager, j'aime bien les jeux de gestion un peu plus simples, Game Dev. Normalement, j'aime pas les jeux trop compliqués. Planet Coaster est quand même assez deep, on va pas se mentir, parce qu'il y a plein de petites options et tout, mais c'est quand même super cool, et c'est quand même assez génial. Grâce à toi, j'ai relancé mon parc de 20k visiteurs. Attends, nous on est 600 dans le parc, s'il vous plaît, monsieur, là, on va être racheté par Disney ou quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un nombre de gens qui m'ont envoyé des tweets en mode « Putain, tu m'as fait acheter le jeu, putain, tu m'as fait rejouer au jeu ou quoi ?» Et c'était assez ouf, sur tous les commentaires sur Domingo Replay, je voyais des gens en mode « Putain, j'attends plus le prochain épisode que Got et tout », et ça m'a fait trop rire. Alors, je dois vous rappeler donc, bien évidemment, on le sait, quelques soucis, parfois moteurs, parce que je pense qu'on n'en est pas loin du souci moteur, quelques soucis moteurs de mon côté, sur la réalisation des différentes attractions, des différentes choses. Il y a des moments où c'est vrai que c'est un petit peu difficile de mon côté. Mais tout se passe bien pour autant. On a 3 500 $. Quand on va cliquer sur reprendre là, 3 500 $. On perd chaque mois 2 500 $. C'est possible que l'aventure s'arrête très vite sur la déco. Sur la déco? Pourquoi c'est... Ah oui, sur la déco. Oui, j'avais oublié. Oui, parce que je sais pas décorer. Oui, on a toutes les extensions, on a harcelé Planet Coaster qui ont été très très cool d'ailleurs. Prise de décision. On va cliquer sur reprendre, il va falloir faire des choses. Je sais pas ce qu'on peut faire. Soit on va continuer à s'endetter, soit on va virer tout le monde dans le parc et c'est la merde, soit va y avoir un truc un peu magique qui va nous permettre de reprendre. Mais je sais pas ce qui va se passer, pour être honnête. Lantus, merci pour le 4e mois. Pff, reprendre en survie. Allez. Allez, on est parti. Allez, direct, c'est de la loose, hein. Attendez, je suis bien à gauche, je crois que je devais me mettre à droite sur ce jeu. QB, merci beaucoup, je suis grand aussi là, non, sur ce... J'ai l'impression d'être un peu grand. Boum, je me fous là. Valérie D'Amido qui arrive. Et tu sens que le PC, là, il charge un vrai parc. Hein. Tu sens que le PC, il est en train de charger un putain de vrai parc. Vous pouvez refaire n'importe quelle action avec CTRL-Y? Mais ça, je savais pas, ça. Ça, déjà, vous me dites pas tout, quoi. Alors, putain, ça... Quoi? De nombreux visiteurs ont soif. Attends, je suis où? Attends, pause. Je perds pas d'argent. Je croyais que je perdais de l'argent, je perds pas d'argent. On perd pas d'argent. Bah attends, c'est vachement bien ça. Alors, je vous présente, pour l'instant, on n'a pas l'argent pour tout, parce qu'on a voulu faire une belle entrée. Tu l'as fait contre les Y à peu près 20 fois. Ah bah ça va là, ça va, tout va bien. C'est l'ancien parc. Non, c'est le nouveau. Là, c'était... Mais rien, c'est l'ancien parc, ça? J'ai passé 4 heures, gros, à faire des dénuphars. Ah, me dites pas que c'est... Mais c'est bondé, hein. C'est bondé, ça. Alors, on se souvient, il y avait Zulu. Alors, je vous explique un petit peu. Donc ça, c'est l'entrée du parc. Tout de suite, ici, on peut acheter, donc, des petits fast-pass pour aller plus vite dans les files, comme ceci, ici, pour couper, justement, les files d'attente. C'est bien sûr payant, on le sait, c'est important. Sinon, ça sert à rien. On a vraiment fait une entrée principale. Pour l'instant, qu'on n'a pas décoré, parce que c'est un peu la merde niveau thune. On en est où, la finance? Il me reste un emprunt, pour l'instant. Putain, mais je suis pas si mal, hein. On perd quand même 100 balles. On perd quand même 100 balles par mois, va falloir faire très attention. Donc du coup, ici, petite entrée, pour l'instant pas décorée. Sur la gauche directement, on a une petite attraction, Psychola, qui est plutôt cool. Là, on a une attraction où clairement on s'est fait boycott. Il y a eu un gros souci, on a fait appel à quelqu'un qui se prétendait bienveillant, quelqu'un qui se prétendait expert, quelqu'un qui se prétendait streamer, quelqu'un qui se nommait Zulu, voilà. Zulu qui nous a dit, tu vas voir, mais un carrousel, ça va être hyper bien. Au final, il y a Sun Pair dans le carrousel. Le truc, il me fait perdre des sous chaque mois. Je sais pas ce que j'ai foutu des coquelicots absolument partout. Je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion ou jamais. Ensuite, on a quand même fait un coin que je voulais un peu pirate. On a mis du sable, on a fait de belles files, on a changé les couleurs. C'est l'Aqua Splash, c'est le Boomboat, on est bien, c'est la beauté du geste. Là, on a mis une petite attraction pour les bonhommes.
Voilà, les bonhommes, ceux qui ont envie de, ceux qui ont envie vraiment de vivre des expériences inoubliables, c'est l'hyperjump. L'hyperjump, ça va vite, ça monte, ça descend, et ça, c'est fantastique. Là, on a mis une, notre toute première montagne russe, avec en plus des décorations du feu de Dieu. Elle nous rapporte pour l'instant 1 200 $, elle est nouvelle. On va baisser d'ailleurs un petit peu le prix, parce que sinon, elle va vite y avoir plus personne. Je me souviens plus ce que j'avais fait niveau billet d'entrée et tout. Parce que c'est tout un truc, hein, si vous... Oh, j'avais mis 25 balles. Mais c'est hyper cher. C'est hyper cher, j'avais pas mis moins. Trop laid. Horrible le chien. Quige. Quige. Personne se plaint. Bah, il y a de moins en moins de gens dans... Oh, quoique. C'est vrai que pas mal de gens m'ont reproché ça. Que je fais un peu n'importe quoi avec les prix, mais parce que je suis paniqué. Non, le chien, il est trop beau, gros. Le chien, il est trop beau. T'es là, t'as ton chien sur le côté, il est archi beau, quoi. Faut juste regarder ce que les visiteurs disent. Ben, alors, les visiteurs, vu d'ensemble, j'ai soif. C'est du j'ai soif. C'est tout simplement, les visiteurs disent j'ai soif. Et ça, j'avais mis normalement des petits distributeurs. Parce que j'ai mis un restaurant aussi. J'ai mis un restaurant avec derrière des beaux arbres. Le Western Restaurant, il nous fait du négatif, là. Il nous fait du négatif, le con. On avait monté un... Oh, on a des sandwichs au jambon, maintenant. On a des saucisses purées. On a de plus en plus de plats, là. Et je crois que j'avais même mis des smoothies. Oh, putain, ça bosse, quand même. Honnêtement, ça bosse quand même sévère. Alors, pour l'instant, les gens ont soif. Mais ici, il y a une machine qui est dans le négatif, or que bah, ils ont soif, les gens. Et pourquoi ils montent les prix du resto? Mais il n'y a personne qui y va au resto, je crois. Attendez, on va regarder. Western a un choix vraiment très limité, manque de charme et quasiment vide. Tu vois, c'est notre souci, c'est qu'il est vide en fait. Tu vois, il n'y a que 3 personnes, donc je peux pas vraiment beaucoup plus le mettre. Mais on peut monter dedans. Il y a un accès internet en plus, hein. Putain, ça, les gens s'en rendent pas compte, hein. L'avantage qu'ils ont d'avoir un accès internet là-dedans, je trouve qu'ils me le rendent mal, hein. Il faut absolument placer tes boutiques sur la rue principale. Bah là, honnêtement, on est sur la rue principale, il y a encore même de la place. Donc, faut augmenter le prestige. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'il lui faut des trucs un peu plus classe? Genre, il lui faut du... Parce que là, je lui ai mis quand même des petits smoothies, quoi. Moi, ça, je trouve ça quand même pas mal, hein. Ils veulent quoi? Peut-être des petits... C'est vrai que après pâte au fromage, sandwich au jambon, saucisse purée, pâte au... C'est-à-dire... Vous faites le double. Y'a arnaque. Celui qui a pris le contrôle de ce restaurant me veut du mal. C'est qui l'employé? Il a doublé le menu et il a mis des sandwichs au jambon moins cher. Eh, attention à ce qu'il fait là. C'est un autre fromage. Non, 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 non. Attention, attention. Attention, attention. Alors, bon, pour l'instant, on est à moins 130 balles. Donc on va jouer très tranquillement. Est-ce que le son est... Il y a du son? Il n'y a pas trop de son. Alors, il nous faudrait un peu de déco, je pense, dans ce parc. Ça ferait du bien, même si on a une note d'environnement 28. Qu'est-ce qu'on a comme défi, ce qui pourrait nous faire des sous? Atteindre des bénéfices mensuels de 1 000 $. Atteindre un bonus d'exploitation de 30. Et on en est où, là, du bonus? Oh, on est à 14, hein, quand même. Là, on va perdre de plus en plus de sous. Il va falloir réagir. Les gens ont soif, hein. Les gens, honnêtement, ce qu'ils ont, c'est soif. Et ça, c'est quand même incroyable. Lui, on fait du bénéf. Et lui... On fait du pas bénéf, hein. Il va nous falloir plus de déco. Peut-être... Oh, ça rentre fort, là. Là, ça rentre fort. Parfait. C'est depuis que j'ai changé un petit peu les trucs. On va se faire un petit peu de déco autour du petit bail, là. Du petit restaurant. Comme ça, ça va le rendre un peu plus attractif. Ce qui va faire que ça va augmenter le prestige et les gens vont vouloir venir avec lui. Enfin, venir dedans, en fait, plus. Pas forcément avec lui. Ça, après, ils font ce qu'ils veulent. Mais au moins... Attends, si je mets un petit plan, là, tu vois. Un petit plan... Un petit truc à... Pas forcément trop gros. Une statue brisée, c'est pas mal. L'idée était là. Un peu grande, tu vois. Oh, c'est un peu moche, ça, quand même. Oh, la statue brisée, gros. Épave d'avion. Oh, l'épave d'avion, elle est stylée, hein. J'aimerais bien la mettre quelque part, ça. Mais il faudrait pas trop dépenser non plus. Pour l'instant, on perd 240 balles par mois. Il va falloir faire attention, il va falloir faire remonter un petit peu tout ça, là. Sinon, ça va vite être la merde. J'aimais bien l'idée de... J'aimais bien l'idée d'une petite statue brisée, quand même. Mais elles sont chum, hein. Oh la vache, elles sont chum à la mort, hein. Après, faut peut-être les mettre quand même, hein. Moi, je me dis peut-être qu'ils veulent ça, quoi qu'il arrive. Ou sinon, je fous le arbre. Parce que c'est vrai que mon souci, c'est que... Les gens m'avaient dit, parce que j'ai essayé de regarder un peu les retours et tout,
que mes arbres... Mais en fait, c'est ça que je dois mettre. C'est des arbres sur plan. C'est des collections d'arbres que je dois mettre. Boum. Attends, mais là, mec... Et là, il monte ou pas, le prestige? Mais le prestige monte de dingue. Moi, je vais te faire une collection de bananiers, là. Je pars en collection de bananiers, je suis désolé. Écartez-vous. Va y avoir de la banane, là. Je sais pas ce que c'est exactement. Ah bah, ils volent. Ah, mais ils volent tous. Oh non, ils volent tous. Oh non. Boum. Un peu de bananier, là. Ils volent, les trucs. Ouais, c'est parce qu'ils étaient pas bien plantés. C'est le jardinier qui s'était trompé. Boum. Hop. Eh. Là, on a envie d'y aller, hein. Pouloulou. 50%, ça monte. C'est bien, il faut leur mettre une ambiance. S'il y a pas d'ambiance, s'il y a pas de vie. Il y a pas de vie. C'est pas si mal, hein. Ça éclaire un... C'est un peu à l'ombre, on va les mettre de côté, comme ça, ça change aussi. On n'a pas l'impression que c'est les mêmes. Eh, là, c'est magnifique, hein. Monte. Oh, j'ai cru que j'avais kické le restaurant. 55%. Bon, ça fait quand même beaucoup d'arbres, peut-être. Il nous manque des petits trucs simples. Tu étais à 47%. Ouais, mais après, c'est pas facile, hein, de monter vite, hein. Vous vous rendez pas compte, vous. Vous êtes là. Vous croyez que ça s'est fait en un jour, je ne sais pas quoi. C'est ça qu'il nous fallait. Par ordre de la reine. Oh, quoique là, c'était magnifique. Oh, en vrai, tu te mettais cette statue-là, mais il faut que je fasse attention. 400 balles par mois. Voilà, là, tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Ça commence à être la merde, là. Là, ça commence à être sévèrement la merde. Il faut que je fasse attention. Les petits cactus. Bah, les cactus, j'en avais mis pas mal, hein. Honnêtement, on commence à en avoir mis beaucoup, hein, des cactus et tout, hein. Moi, je commence à avoir donné niveau cactus, hein. Après, le souci, c'est que niveau rentabilité, Non, mais c'est ça qu'il faut mettre. Regarde, eux, je vais les déplacer, là. Tiens, va là-bas, toi. Hop. Lui, je le déplace aussi. Boum. Ça, je le mets quand même bien dans... Et on pourrait même faire une petite... un petit parvis très sympa. Et là, ce que je vais faire, c'est boum. C'était où, ça, ce truc? Ça avait l'air bien, ça. Boum, petite fontaine. Petite fontaine. Elle rentre bien, la fontaine, là. Moi, j'aime bien. Oh, si! Alors là, si! C'est une place centrale, il y a un point d'eau. 60%! Ça monte bien, ça monte pas ouf? Si, si, très sympa. Très, très sympa. 20 personnes dedans. Le nombre de services dans ce restaurant. Il y a eu plein de clients. Et regarde, qu'est-ce qu'ils ont, ils sont tous contents, là. J'ai eu la... Rien de tel que... Oh là là, rien de tel qu'une bonne boisson bien fraîche. Parfait, ça. On est à moins 700 balles. Bon, alors là, c'est toujours la galère. Là, j'ai soif. Bah ouais, mais gros, j'ai soif. Les passes prioritaires, c'est pour les pigeons. Ça fait hyper longtemps que je fais la queue pour Boomboat. Pas long. Ce parc est super, je vais faire un tour sur The Madness. La file d'attente, c'est pas la place qui manque dans ce parc. C'est que c'est grand. Il faut un peu plus... Il faut peut-être des bancs, ouais. Il faut des bancs. Mais là, la galère, c'est qu'il nous faut des sous, en fait, hein. On est re dans la même merde de « il nous faut des sous ». Sauf que la question, c'est comment on fait des sous. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? L'allée de jonchée de détritus. Oh bah merde. Bah où ça? Ah ouais, ici. On a des employés. Putain, j'ai l'impression que c'est à chaque fois, c'est la même merde. Non, mais on n'aurait jamais dû faire dans ce niveau. On n'aurait jamais dû faire dans ce niveau. C'est un enfer. Je me bats contre... Mais j'ai trop de gens qui bossent, là, pour moi. Il y a deux mecs qui font le ménage, et pourtant, il manque des petites poubelles. Petite poubelle à la sortie, si jamais même t'as envie de vomir. Tu connais. Boum, boum, petite poube. Allez, petite poube. Poubelle effrayante. Non, pas poubelle effrayante. Poubelle classique. Parce que là, on voulait continuer sur un autre parc, après. Mais oui, il nous manque plein de poubelles. Regarde, il court carrément pour aller dedans. Honnêtement, là, c'est vraiment pas mal, hein, ce qu'on fait. Là, il y a des... Honnêtement, il y a des bancs. Il nous faut peut-être un banc ici. Un petit banc juste là, tu vois. Comme ça, ils sont bien. Là, il n'y a pas spécial... Eux, ils sont contents. Là, ça va faire du bif, ça. Ça, c'est... Bénéfice du mois précédent. Ah, parce qu'on n'est pas sur ce mois-ci, là. Bénéfice du mois en cours, 400. On l'a travaillé. C'est bien. On l'a travaillé, ça, déjà, le resto, on l'a fait revenir. Sauf qu'on est toujours à moins 700. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on soit à moins 700? Ou alors, ils courent parce qu'ils ont volé. Non, il n'y a pas un truc de location de vélo. Qu'est-ce que ça serait propre? Tu prends ton petit vélo électrique. Non, mais je pense qu'il faut que je bosse la déco du parc. Parce que, attends, je vais en mettre à 20 balles et à 10 balles. Parce que ça, honnêtement, personne n'était gêné par ça. Le souci, c'est qu'on a... Ah, je sais pas ce qu'il nous faut. En vrai, je sais pas ce qu'il nous faut. C'est toujours le même délire de... Quel est le souci, en fait? Quel est un peu le problème? Qu'est-ce qui fait... C'est tes recherches aussi. J'ai des recherches encore? Je crois que j'ai fini les recherches, hein. Ah, je lâche 1000 balles.
Si, si, je lâche 1000 balles plus le crédit à 1000 balles. On est à 2000 balles déjà de ça. Quand j'aurai plus ça, je serai pas mal. Non, non, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Faut juste investir intelligemment. Le parc, il faut plus de prestige, quoi. C'est vrai que l'entrée est un peu moche. Il nous faudrait un truc. Il nous faudrait un truc. Il nous faudrait un truc déjà. Il nous faut une entrée, en vrai. Oh, c'est chum. Oh, c'est chum, mais c'est peut-être ce qu'on va faire parce que c'est pas cher. Hein. C'est 200 balles. Hein. C'est 200 balles, c'est peut-être ce qu'on va faire. Hein. Le temps. C'est quoi le temps minimum d'attente déjà? Oh, c'est dégueulasse, putain. C'est quand même bien dégueu, ça. Hein. Une cascade, c'est vrai, mais les cascades, les gars, c'est tellement cher. Vous vous rendez pas compte, moi, je suis environnement à tribord. Mais ça, c'est magnifique, ça. Ça, pour... honnêtement. Est-ce qu'il y a des... Oh, le coupable a été appréhendé. Parfait. Au moins, on devient un parc sûr. C'est bien, honnêtement, on est en train de devenir bien, là. 80%, c'est bien. Je crois que c'est cette attraction qui est un peu flinguée. Du coup, on va lui mettre une petite statue. Une petite statue, silence des grands fonds. Non, non, on n'est pas là non plus, quoi. On en est plus à petit environnement, comme ça. Tabogota, boum. Ici, là, ici, ça pourrait être... Quoique, là, là, si je fous un truc, silence des statues. C'est beau, ça. Oh, honnêtement, c'est par ordre de la reine. Mais c'est très respectable, ça, ce genre de choses. Genre, je mets ça, comme ça. Je pense, un truc un peu gros. Ouais, il y a quelque chose, le voisin, là. Qu'est-ce qui se passe? Fontaine de Jouvence, on l'a déjà fait. Mais c'est pas mal en vrai, ça. J'aime bien collection du grand large. On l'a pas mis ça déjà quelque part? Ça me disait un truc, ce truc. Honnêtement, faut juste... Mais on va foutre ça, hein. Un petit bateau. L'avion. Pourquoi tu vends pas le carrousel et tu le remplaces? Je commence à me poser les questions. Boum. 300 balles pour ça. Ça va valoir le coup. 82% ici. C'est magnifique. On va leur remettre un jet d'arbre, là. Un jet d'arbres, collection d'arbres. Parce que c'est ce qui nous manque aussi un peu. C'est-à-dire que, tu vois, on est un peu trop... Je regardais certains parcs et ils sont beaucoup, beaucoup plus... ambiance gros arbres. J'ai vu certains parcs, je vous montrerai. Il nous faut des grands arbres. Je veux des tickets, le voisin. 82%. C'est bien, au moins, ça va faire travailler un petit peu le bail. Ah, ça a pas marché pour les deux, c'est dommage. Oh, le carrousel, en fait, le truc, c'est qu'on perd 200 balles par mois. Ça va falloir faire le taf un peu. 600 dollars gagnés. Le restaurant, vraiment, c'était une bonne idée. Tout le monde est en fast-pass. Tout le monde achète des fast-pass, mais on est en train de perdre. Là, ce qu'il faut, c'est redécorer cette attraction. Parce qu'on est en train de sauver le parc. Hein. On est en train de sauver le parc. Il nous faut juste. Hyper jump est en panne. Putain, j'étais sûr, bande de cons. Mécanicien en route. Bon, on va en profiter pendant ce temps pour c'est peut-être une naturelle cascade à l'entrée du. Mais naturelle cascade ici? Mais bien sûr. Mais mec, t'arrives dans ce parc, t'as juste envie de vivre. Attends. Faut que je la mette bien. Mais là, j'ai envie de venir dans ce parc. Je vais poser ça. Bon, j'ai plus de thunes. Défi terminé. Qu'est-ce que c'est le défi? Atteindre un bonus d'exploitation. 30 000 dollars gagnés. Oh, c'est bien les défis quand ça gagne comme ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Vol a été signalé. Défi terminé. Ok, parfait. Tourne là. Comment ça tourne là? Bah, le but, c'est quand même que ça casque. Ah, tu veux que ça... Oh, attends, parce que... Attends. Parce que faut que ça cascade... Toi, tu voulais que ça cascade en mode... Bon. Évaluation... Le parc a baissé en qualité, là? Pas comme ça. Je l'ai viré. On m'a mis la pression. J'ai gagné des sous, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'avoir gagné des sous. Bah, je vais pas la mettre de dos, quoi. Vous voulez que je la mette comme ça? C'est un peu chum, hein. C'est un peu chum, comme ça. Mets la fontaine au milieu du rond-point. Oh, j'avoue, c'est ce qu'on voulait faire, parce que là, va y avoir un rond-point, après. Non, non, mais faut pas qu'on gâche tout, hein. Face à la route. Faut pas qu'on gâche tout, parce qu'il y a une grande fontaine qui va arriver. Enfin, la grande cascade va être au milieu du rond-point. Faut pas tout gâcher. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est ça. Ok, on change de plan. Il est un peu moche, l'arbre, là. Ah, mais ça, c'est moche quand t'arrives. Là, t'arrives, t'es direct comme ça. Là, t'as envie de vivre. Parce que c'est petite cascade, mais beaucoup plus naturelle. Beaucoup plus naturelle, beaucoup plus... pas comme ça. C'est une vraie entrée, ça. Le souci, c'est que j'ai peur que ça marche moins bien. Du coup. Ça a rouvert, Hyper Jump? On est sur le DOS, là? Mécanicien en route. Tu bosses, toi? Ok, il bosse. Putain. Baisse tes entrées, tu as perdu 100 visiteurs. Non, j'ai pas l'impression qu'on perde, là. On fait des sous ou pas?
On perd 100 dollars. 100 dollars par mois, c'est OK. Hein. Non, non, regarde. Personne ne rentre pas à cause de ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir là? Ça donne quoi niveau Fastpass? Fastpass, on fait 35 dollars de bénéf. Non, non, c'est bien, c'est bien. Sur la prochaine, pas de cascade à l'entrée. Vous n'êtes pas team cascade à l'entrée, vous. Eh ben, je vois. Bon, on va s'occuper. Venez, on s'occupe de. Après. Putain, c'est comme d'hab. Accéder à l'attraction. Allez, boum. On réouvre, on réouvre. Allez, là, il faut juste un peu plus de. Il faut juste un peu plus de beauté au début. Parce que c'est vrai que c'est ce que je voulais faire, mais j'avais pas de thunes. Il me faut juste un peu plus de belles choses, là. C'est vrai que c'est dégueu. Je pense que ici, ça serait pas mal d'avoir un truc. J'avais foutu ça, mais quel con, putain, j'avais foutu ça. C'était vraiment dégueulasse, ça. Ça, limite, tu vois, ça peut être... Là, on a de l'espace encore. Hein. On a des trucs à faire ici. Hein. Ici, on a des trucs à faire. Tu vois, ça, c'est... Mais c'est juste de la merde, en fait, ça, là, ce truc. Je sais même pas pourquoi je l'avais mis, ça. C'est juste dégueulasse, ça. Mais c'est dégueulasse. Mais pourquoi j'ai... Je la tue. Je la vends. Je gagne 20 dollars. Putain. Là, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai que... Peut-être que cet arbre-là, il est pas à mettre là. Il est plus à mettre là. Ouais, clairement. Clairement, il est beaucoup plus à mettre là. Ce qui fait qu'ils vont avoir un peu d'ombre aussi. Un peu d'ombre. Ce qui fait pas de mal. Un peu d'ombre, justement, sur le fast-pass et tout. Mais sinon, je peux décorer. Attends, ce serait fou que je fasse ça. Ce serait fou que je... C'est fou. Là, c'est fou. C'est fou ce qui me permet de faire un vrai truc là. C'est fou. Mais j'ai peur de mettre tout le temps la même chose, du coup. Un projet a été recherché. Ah, parfait. On a trouvé quoi? Oh, nouvelle attraction. Un truc à rail, on sait pas trop quoi, mais nouvelle attraction. Ah non, mais dites pas que je perds des sourds, que... Alors que ça va. Déco pirate. On avait dit, c'est vrai qu'on faisait déco pirate ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en déco pirate? Des scènes. On peut faire des petites scénettes. Oh, l'épave d'avion, faut que j'en foute une. On avait dit. Cabane de sorcière. Combat de chevalier. Oh, la folie quand je vais foutre un combat de chevalier ici, là. Entrée des studios. Eh. Eh, eh. Mine de rien, là. Là, comme ça. Ok. Pardon. Excusez-moi, de temps en temps, faut pas hésiter. Hein. Faut pas hésiter, faut être franc. On est aussi là pour ça, les gars. Hein. Voilà, on est là pour... membre d'équipage inactif. Membre d'équipe inactif, personne veut voir ça. Alors absolument personne. Parterre de fleurs, 5 éléments. Pas mal ça, mais pas ici. Parterre de fleurs baroque. Mais il y a des trucs que j'avais pas vu, les gars. Parce que là, j'ai des petites scènes de pirates. Ah non, ça, j'ai déjà foutu là. Pirate. Ah, ça, on l'a déjà mis aussi, je crois. J'ai déjà tout mis en fait. Je crois que c'est foutu là. Il va falloir que je fasse des trucs par moi-même un peu. Hein. Sinon, spectacle de bouffon. Oh là là, vache, le cauchemar. Le squal létal. Oh. Oh, ce serait propre, ça. Dans un truc d'eau un peu plus loin, là. Y'a cowboy. Voyage du Spoutnik, tour en flamme. Beaucoup trop cher. Ah, mais ça, c'est des trucs pas très pirates, ça. Y'a pas des thématiques... Attends, retour vers le futur. Eh, le requin, il est bien. On va le mettre après. Mais pas... Rue vers l'or. Oh, mais ça fait chipo, ça. Ça fait vraiment... On a envie de se foutre une balle, quoi. 51%, bah tiens, boum. Allez, hop là. Oh, c'est le train de la mine, version on avait la flemme, quoi. Je pense qu'il faut que je foute des arbres, surtout, ici. Hein. Ici, il faut vraiment que je mette des arbres et tout. J'aurais peut-être dû baisser tout et le mettre dans un petit lac. Tu vois, je peux rajouter de l'eau. Ouais, je peux rajouter de l'eau partout, mon pote. J'ai le contrôle absolu. Oh, par terre. En fait, le truc, c'est que chaque attraction doit être bien niveau environnement. Celle-là est bien naze. Ce qui fait que forcément, je suis pas au top. Pourquoi tu veux mettre des arbres partout? Parce que c'est bien. Faut mettre des montagnes arides. Décoche 60. Alors, ouais, il y a un truc à décocher. C'est ça, là. Je crois que le minimum, je crois qu'idéalement, on m'a même dit de le mettre à 1. Je crois que dans toutes mes attractions, je dois mettre ça à 1. J'ai vu un mec qui a l'air de faire partie de la commu Planet Coaster FR qui m'a dit, PA, tu vas voir, tu vas gagner grave des sous si tu mets tout à 1. Et parce qu'en fait, c'est genre un temps d'attente, je crois, entre les attractions qui fait qu'on met trop de temps. Les mecs, on les presse pas. Tu sais, on n'est pas en mode « Vas-y, à vous !» Tu vois, on est en mode « Oui, bah frère, installe-toi, n'hésite pas !» C'est la file d'attente que tu dois décorer, pas l'attraction. Oh, intéressant. Ah, dans ce cas, je te fous...
Ah oh ouais, mais c'est pas dans le thème. On va être obligé de sortir du thème. Je vous le dis, on va être obligé de sortir du thème. Préparez-vous parce que ça va peut-être être... Ça va peut-être sortir fort hein, du thème. Magnifique ça. Sublime. Allez, ça c'est sublime. Collection de bonbons. Non, c'est pas pour là. Ça sera peut-être ailleurs. Change capacité max, illimité, y a pas illimité. Aventure, piège écrasant. Mais quel cauchemar. Oh bah personne n'a envie de voir ça. Porte à moulin. Oh. Oh mais attends, mais là mec, mais... Fallait me prévenir qu'on a ça en stock nous hein. Psychola 2 est en panne. Vite, 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 vite. Allez les gars là. Oh là là, tous ces sous qu'on va perdre d'un coup là. Ça pète l'entrée. Arrête STPM, c'est très bien. Attendez, qu'est-ce que vous me dites d'arrêter, vous êtes fou. Là, je pense qu'il faudrait faire des arbres. Des arbres et je peux les... Mais après, je peux tout perdre. Ah ouais, mais après, c'est vrai que c'est... En fait, c'est des trucs que tu peux faire genre... effets spéciaux. Parce que là, c'est vrai qu'on a quoi? On a des petites bubules. Mais on sent que c'est limité. Il nous faut des choses. Le truc horrible. Est-ce qu'ils ont eu peur, hein? Je crois que je vais rentrer. Ah ouais d'accord. Cet endroit est tout simplement génial. Bah ils sont quand même heureux. La petite araignée va carrer. Non mais des fleurs j'en avais foutu absolument partout. Le cauchemar les araignées. Bah je sais pas, les araignées elles vont tourner. Mais je pense en fait il faut souvent mettre des trucs en plan aussi. Tu vois parce que ça te permet d'être... Mais il y en a pas tant que ça. Parce que je pense avoir un peu de... Mais là le souci c'est que j'ai mélangé les arbres. Tu vois avoir des arbres un peu comme ça peut être pas mal. Collection de buissons. Oh ouais, personne. Hein. Oh, quoique, là, ici, on peut avoir envie d'un petit buisson, justement, pour cacher. Pour passer vraiment dans quelque chose de très sympa, très... Ouais, oui, sympa, ça, sympa. Très sympa. J'aime. Tes arbres, tu les plantes à part un. Les plantes servent à rien. Ah ouais? Ah, mais moi, j'ai vraiment... Oh, mais je peux rajouter des trucs. Si, par exemple, là, je me dis, petit parterre de fleurs par-dessus... Et je le baisse. Oh non. Putain, c'est incroyable. Oh non, je sais que... Oh la vache, oh l'arbre de Josué. Oh l'arbre de Josué. Oh m'en dites pas tant. Oh, un petit truc de bambou là. Oh le petit bosquet là, vraiment il est... Attendez, il faut que je prenne des décisions, mais... J'avais déjà fait des parterres. En fait j'ai fait des... Ouais tu vois les bégonias, on connaît quoi. En fait faut que j'uniformise un peu. Accès au défi, nouveau défi. Maintenir le pourcentage de victimes de vol en dessous de 5% pendant 3 mois. Oh frère, t'es mort. Oh, je te le dis, je suis désolé, hein, mais... Augmente le temps d'attente pour cette attraction, STP. Pourquoi? Parce que t'es obligé d'être en capacité max. Non, non, cette attraction, faut juste que je la redore un peu, là. Et elle va revenir en mode grosse folie, là. Je pense que je vais vous foutre du bambou. Hein. Juste que, du coup, ça... Le souci du bambou, c'est que c'est... Déjà, il y a des grosses allergies. On n'est pas forcément au courant, mais c'est vrai qu'il y a des grosses allergies. Oh, mais attends, mais là, si je mets du bambou, là, comme ça, qu'est-ce qu'ils disent, les gens, vous pensez? Genre, est-ce qu'ils se disent, genre là? Bah, je pense que tu te dis, ah ouais, cool, du bambou. Hein. Un peu de bambou. Et je pense, honnêtement, que tu te dis, cool, du bambou. T'arrives et tu te dis, oh, tiens, ils ont pensé au bambou. Là, après, le souci, c'est que c'est moche. Mais on pourrait très bien imaginer... Ici, une petite... Non, il n'y aurait pas assez de gens. Il y aurait, tu vois, Kaot, là. Ça, typiquement. Ah, c'est... ça fait du bénéf. Je pensais pas. Une allée de bambou. Bah, réouvre l'autre, non? Il est ouvert, l'autre. C'est naturel. Oh non, Psycho 2 est en panne, tu vois, boum. Il est là, les gars. Vous en faites pas. 82%, 81%, 100%, mais c'est du négatif. Bon, ça, c'est 62%. Hein. On aimerait bien le retravailler un peu, hein, parce que c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a du monde là-dedans, quand même, hein. Mais eux, en fait, il y a tellement de gens, la file n'avance pas. Mais vous savez quoi? Je vais vous faire avancer la file, moi. Parce que c'est vrai que j'ai été gentil, je vais vous mettre un 10-50. Non mais, genre, honnêtement, c'est peut-être mon attraction la mieux décorée. Et ils sont pas contents. Ça, je trouve ça quand même ouf, quoi. Parce que le souci, c'est qu'ils se disent que là, comme c'est en l'air, il y a pas assez de trucs pour décorer. Mais, non, me dites pas que je vais refoutre une allée de bambou ici. Et de bambou. Est-ce que les bambous et les pirates, c'est raccord?
L'espace est tellement grand. Bambou pirate, on en pense quoi? Bambou pirate? Bon, bambou pirate, non, on n'aime pas? Palmier? Palmier Alexandre. Mais les palmiers, on les aimait pas tant que ça. On les trouvait un peu... Ils faisaient un peu la gueule, tu vois. Et l'allée de palmier, on n'aimait pas. Bambou, c'est Japon. Ah, et boum, le maximum a été fait. Rocher, bateau, palmier. Rapta, Stenda. Bon, allez, on va faire... J'avoue, du rocher, des pierres, c'est bien. Hein. En vrai, y'a quoi en pierre dispo? Ah oh ouais, mais c'est de la pierrasse, mec. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la pierrasse ou faut la déposer, la pierre, quoi. Mais en vrai... C'est gros, là. Ce qui est dommage, c'est que c'est gros. Ça serait pas aussi gros, putain, la vache. Je ferais un carton. Bon, on est à peu près en négatif. On est à peu près à l'équilibre. C'est bien, parce que là, la satisfaction des visiteurs a baissé. Fait hyper longtemps que je fais la queue. La file d'attente est très réussie. Enfin, la file d'attente attendait pas. Les passes prioritaires, c'est pour les pigeons. Bah, on est à combien sur les passes prioritaires? On gagne des sous, hein. On va baisser à 7. On va baisser à 7, tu vois, juste pour que tout le monde puisse bien les prendre. Parce qu'une fois qu'on a ça, honnêtement, on va être vraiment au top de notre forme, là. Et il faut juste qu'on... Eh, mais ils passent pas les prioritaires, hein? Pourquoi ils passent pas? Ah bah voilà. Mais en fait, vous êtes sûr que le truc d'environnement... D'environnement de la file d'attente... Ah, donc du coup, ça fait rien de... Bah, je vais foutre du bambou, hein. On n'a pas le choix. Allez, on n'a pas le choix. Ah, c'est du... Ou du palmier. Ou alors je refais un petit truc. Un petit truc comme ça, là. L'arche du scorpion, non, elle est trop... Oh, l'épave d'avion, je vais la mettre quelque part. Hein. Je sais pas encore où, mais je vais la mettre quelque part. Ah, mais là, ça fait beaucoup du même côté, tu vois. Là, on se dit que... Oh, si, peut-être ici, peut-être ici. Si. Ici, magnifique. Ici, parce que t'es vraiment en dessous. T'es vraiment juste au-dessus, pardon. Attends que je tourne ça. Ça, c'est pas mal, ça. Parce que t'es juste au-dessus et tu vois le petit bateau. Magnifique. Oh, magnifique, là! Regarde, y'a rien qui touche, c'est sublime. Là, j'espère que ça a pris fort. 72%, on est dans le vert. Boum. Allez, les gens, ils vont pas s'ennuyer. Alors là, on est à 52%, il nous faudrait ici de l'attraction... Il nous faudrait ici déjà un... Là, il nous faut des petites statues, là. Je pense que je manque de statues. Mais tu sais, de courbe de stalagmites. Ah non, parce que j'ai cherché des rochers, là. Moi, je manque de petits décors. Petite nature. Petite sculpture végétale. Après, l'allée de bambou, ça fait beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup de trucs qui ont pas forcément de thématique. Voilà, si je commence à foutre des boules ici... Eh, mais la boule, si tu la mets comme ça... Elle est magnifique, la boule, comme ça, là. Attends. Attends, c'est magnifique. On dirait les trucs, là, à la coco. Ça, c'est sublime, ça. Ah non, ça, c'est sublime, par contre. Alors ça, j'aime beaucoup, ça. On se dit que c'est nul, mais ça apporte un confort juste avant de montrer dans l'attraction que seuls ceux qui ont peur en attraction savent. Très belle boule. Collée. Merci. Bon, alors là, on va pas insister peut-être avec les jardinières. Oh non, ça, c'est chum. Mais la jardinière ronde. Oh, ça fait vraiment genre tu savais pas quoi faire, quoi. Ça fait vraiment tu savais pas quoi offrir pour Noël, là. Mais attends, mais je comprends pas, honnêtement, hein. La note d'attraction... Mais ça monte, hein, regardez comme quoi c'est efficace, hein, en vrai. Le niveau de cohérence de la déco est à zéro. C'est là que frappe le génie, en fait. Tonneau jardinière! Tonneau pirate! Mais à côté d'un canon, tu penses qu'ils aimaient ça? Tonneau pirate. Tonneau pirate. Tonneau pirate. Maison au milieu. Ouais, mais je sais pas quoi mettre. Tu penses des boules ici aussi? Ah, ça fait un peu forceur, là. Là, je pense que ça va commencer à être moche, là, hein, si j'en mets là aussi. Tu vois, je me dis que peut-être là, j'insiste un peu trop, là. Là, j'aurais peur d'insister. Tu vois?
Vous me dites ce que vous pensez, mais vire l'araignée. Non, non, elle est sous la boule. Petite montagne sur les contours. C'est vrai qu'en vrai, je pourrais grave forer. Attends, parce que là, je vais faire ça. Mais du coup, là, je fais ça, mais ce qui fait que tout là, je vais avoir un espace. Je pourrais grave mettre une petite montagne en mode Hollywood. Allez, boum, ça part. J'ai des sous. Je gagne 1500 par mois! Oh, putain. Oh là là, je vais pouvoir me faire plaisir, là. Alors, ici, on va faire une petite montagne. Parce qu'on manque de hauteur, en fait. Je me suis rendu compte de ça, là. Je manque véritablement de hauteur. Tu vois, ici, là. Ah, une vraie montagne, une vraie montagne. Boum. Boum, 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 boum. Ah, une montagne naturelle. Forcément, elle a des défauts. Mais c'est pas l'homme qui l'a créé. C'est la nature elle-même. C'est la nature elle-même qui l'a créé. Bon, après, elle fait un peu dégueu, attendez. Je la rabote. Oh, oh c'est ça, raboter. Ah ouais, non. Elle est pas bien rabotée, elle est pas bien rabotée. Ah bah, pourquoi c'est... Parce que tu vois, là, les gens vont avoir grave des trucs et je pourrais tirer des feux d'artifice d'ici. Feux d'artifice dessus, putain. Toi, t'es mon frère, toi. Là, je mets une petite crevasse. Ouais, parce qu'elle est naturelle. Et ouais. L'homme n'a rien changé. Tu vois, vraiment, là, il faut pas s'aventurer ici. Hein. Surtout, les enfants ne doivent pas venir là. Hein. Là, tu vois, comme ça, regarde, comme c'est cool. Mec, imagine, t'es là. Et genre, tu te dis, putain, il y a quoi au-dessus de la montagne. Et là, tu peux voir. C'est que en faisant l'attraction que tu peux voir ce qu'il y a au-dessus. Plus haute. Mais en fait, faut quand même, dans ce cas, si je fais plus haut, il faut que je continue à élever ici. Pour que ça fasse naturel, tu vois. Faire une montagne en deux temps. Ça y est, là, maintenant que j'ai des notions. Attends, on creuse un peu ici, là, parce que c'est un peu chum, ça. Oh là là, attends. Attention à ça, là, quand même. Tu vois, la montagne en deux temps, là, elle est pas mal. J'aime bien, là, celle-là. Je trouve qu'elle a vraiment du charme. Je la trouve charmante, cette montagne. C'est plus une colline qu'une montagne. Ah, mais vous voulez de la vraie montagne? Ouais, mais tu vois, genre, c'est... Mec, je sais même pas si je peux faire une vraie montagne. Je sais pas où ça va s'arrêter. Je pensais que je peux faire une montagne, genre un Mont Blanc. Oh, mais là, mec, il commence à y avoir de l'ombre et tout, ça devient plus plaisant, quoi. Là, mec, c'est goth, là, c'est genre, faut escalader, c'est trop, c'est trop. Oh non, c'est un peu trop, là. Avec de la neige en haut. Pas mal quand même. Hein. Moi je trouve ça chum là. Hein. Oh mais c'est... Oh, on peut pas mettre de la neige. Un terrible été de 1988. Pabland a été frappé par une terrible invasion. En effet, on a décidé à tout jamais de garder cette montagne aux couleurs. Des criquets qui avaient envahi Pabland. Mais oui, il y a des invasions de criquets. C'est une dune. Non, non, mais je fais des tests. Pierre. Ah, Pierre, c'est moche. Hein. On dirait une application auto. Oh. Oh non, pas ouf. Herbe. Non mais de toute façon elle est chum, je sais pas pourquoi je fais ça, elle est moche. Depuis tout à l'heure elle est moche la montagne. Je veux pas ce type de montagne. Mais je teste. Je vous rappelle que pendant ce temps je suis en train de gagner des sous. Donc je peux tester des choses. Et ça c'est beau. Regardez, je récupère des sous. Ah je peux plus faire... N'en dites pas plus. Oh bah non. Oh. Et je fais un jacuzzi tout en haut. Non. Non mais je veux... Rabote.
Rabattre, 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 rabattre. Attends, parce que c'est pas facile là ce que j'ai en tête. Comment je pourrais faire ça? Attends. C'est bon. L'idée est venue. L'idée est venue, c'est bon. Aplanir jusqu'à la surface. Ah oh, mais ouais, mais ça revient pas à zéro. Ça, tout le souci. Attends, du coup, je dois élever. Ce qui fait que ça crée un merdier pas possible. Ah, attends. Ok, ça va pas être facile. Hein. Toutes ces heures de Scribblio vont payer. J'ai une idée. Vous allez me dire. Oh non, je sens que c'est qui tout double. Attends, parce qu'il faut du coup. Honnêtement, la hauteur de. C'est pas grave, on perd un peu de sous, mais vous savez, quand on est millionnaire comme ça, pas trop de problèmes à se poser. Alors attendez. Moi, je veux un truc qui fasse. Ça, c'était bien. Là, on va élever ici. Là, on élève ici. Là, c'est bien. Là, on crée une montagne qui, ici, doit être plus haute que juste avant. Parce que... Il y a cette idée. Parfait. Là, un peu plus haut. Parce que c'est une montagne volcan. Hop. La montagne volcan grossit. Là, je pense que ça sera l'apogée. Et du coup, il faut que je fasse la montagne volcan ici, aussi. Un peu là, d'ailleurs, aussi. Un peu partout. Non, un peu trop. Un peu trop, un peu trop. Je me suis emporté. C'est ici que ça va vraiment jouer. Faut tenir le coup. Faut pas lâcher. Pour l'instant, la montagne volcan est sublime. Putain, Volvic a qu'à bien se tenir, hein. Non, non, mais là, juste, vous êtes pas prêts. Enfin, si vous voulez, parce que c'est naturel. Qu'est-ce que je voulais faire, en fait? Qu'est-ce que je voulais faire? Je me dis pas que je voulais faire ça, gros. Attends, parce que là, ce serait décevant, quand même. Oh non, j'avais un truc en tête. Au début, j'avais l'idée de faire une cascade. Tu perds pas mal de thunes. 2500 par mois, là. Au début, j'avais une cascade. Mais au final, on va faire mieux. Un petit puits. Nouveau défi? Oh bah je gagne des sous sans même le savoir. C'est un petit puits. Personne le voit. Bah c'est normal, c'est naturel. Un grand puits? Un grand lac. Un grand grand lac. Un grand grand lac naturel ici. C'est pas si mal, hein. En vrai. C'est pas mal. Et là, si je suis en masterpiece... Mais ça va nous coûter de l'argent pour rien. De quoi? Tous. Si je suis en masterpiece, je te sors, mon pote. El Roquinho. From the bottom of the sea, guys. I bring him for you. Ah ouais, mais là, c'est limite gâché tellement c'est beau ce que je fais, quoi. C'est limite gâché, tellement c'est beau et que les gens pourront pas en profiter. Tu vois? Parce que c'est... On est à la limite du gâché, tellement...
Tant t'es là, tu vois ça. Oh, c'est gâché. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Bah écoutez, aucun intérêt trop haut, trop loin. Bah non, mais c'est juste une petite... C'est juste un petit quelque chose, sympathique. L'épave d'avion au-dessus. Ah, j'avoue qu'on peut foutre un petit avion dessus. C'est en mode, il s'est crashé là-haut, quoi. On peut faire ça, par contre. Un petit, il s'est crashé là-haut. Non, mais par contre, si. Si, tu l'as. Sublime. Sublime. Fais couler ton lac jusque dans la cascade que tu mets au milieu du rond-point. C'est gâché. Après, c'est pas très cher, c'est 100 balles. Un peu de végétarien sur la colline. Regarde, il s'est... Non, bah, moi, je trouve ça beau, quand même. Horrible. C'est parfait. Fais des arbres. On n'est pas obligé de faire tout le temps des arbres. Moi, je trouve qu'on fait trop d'arbres. C'est de l'art que vous nous proposez. Zéro goût. Bah non, mais c'est sympa. Sans l'arbre. Enfin, au pire, l'arbre, je te le refous quelque part. Hein. L'arbre, tu vois, faut pas... L'arbre, faut vraiment pas... Faut pas se gêner, hein, tu vois. L'arbre, il peut toujours avoir une place. Hein. Il s'est pris le seul arbre de ta colline. Avec l'arbre. Un petit resto en haut. Malheureusement, ça va peut-être pas être possible, le petit resto, mais... Non, avec l'arbre, ça donne du charme, aussi. Hein. Attends, mec. Attends, je... Non, mais attendez, parce que j'ai l'impression que parfois, vous vous rendez pas compte de ce qu'on peut voir. Ah, mais putain, quel chien. J'ai pris le seul mec qui... Non, j'ai pas défini là. Non, mais vas-y, change de siège. Juste pour que vous compreniez un peu. Le type de paysage que t'as. Le type de paysage que t'as dans mon parc. Ah, pourquoi je vois des anses là? Vraiment? Ah oui. Qui va monter? Y'a quelqu'un? Les gars? Tu vois, déjà, t'es face à ça, tu te dis, waouh, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, ouais, c'est trop chelou ce parc. Il a l'air trop flingué, le parc, quoi. Bon, ah oui, ça vient. Ouais, et boum. Et boum, ça s'assied. Là, on est content. Là, on se dit, ouais. Oh, putain, je suis comme un fou, toi aussi. Oh, c'est ouf. Oh, oh putain. Oh, ça... oh, y a un avion en feu. Il y a une colline avec un petit lac. Moi, je reviens pas. Regarde, ils le disent. Oh non, non, si, clairement. Enfin, vous l'avez entendu, quoi. C'est pas moi, vous avez entendu les... Il y a un moment, juste, faut écouter aussi ce que nous disent les gens du parc. Hein. Moi, je veux bien toujours vous écouter, mais bon, quand les visiteurs sont aussi, aussi convaincus... est-ce qu'on rembourse le prêt? On filmait un acte de vandalisme. Afficher le vandalisme. Poubelle tonneau. Remplacé. Y a un mec qui a fumé la poubelle tonneau, quoi. Mais c'est-à-dire, c'est quel type de vie, ça, ce gens qui font ça. Bon, je rembourse l'emprunt. Terminé. Comme ça, on a plus de sous, mais au moins, on a moins de dépenses. On est pas mal, là. Hein, avec nos conneries, là. Non, non, mais avec nos conneries, on est vraiment pas mal. Est-ce que ça fait du bif, ça? 200 balles. Bon, ouais. Ouais, pourquoi pas. Bon, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Je pense que c'était un très bon choix, ce petit lac. J'ai beaucoup aimé, et ça rajoute aussi, tu vois, une certaine verdure, un certain charisme. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de monter cette attraction à 80% de file d'attente. Regardez un petit peu, ils attendent dans la file. Et ça, c'est tout à fait normal, mais il faut les mettre bien. Alors, pour les mettre bien, différentes options... qu'on commence un peu à avoir trituré. Hein. On sent que j'ai... Baroud d'honneur. Non mais frère, ça c'est incroyable comme type d'attraction, mais... Bonhomme de neige furtif. Mais non, mais on peut faire de la neige? Camp de pirate. Excusez-moi le boombot. Ça fait longtemps que je suis pas venu vous voir. Mais là, on pourrait tout à fait imaginer... Et c'est pas déconnant de dire ça...
Un petit camp de pirates à l'entrée du boomboat. Ça serait vraiment... Le requin. Non mais le requin, on est... Le requin, ça va nous coûter trop cher. On refera un autre truc. Ça y est, va être ruiné. Mettre des barrières autour que ça soit réaliste. Défi disponible. Attendez, bon, ça on va pouvoir ça. Avec des boutiques et services. Éclaté. Moi je pense que c'est pas mal. Hein. Il faut un acteur dedans. Dans le camp de pirates? Non, c'est juste un petit camp, tu vois. Genre c'est juste en mode... Tu sens que t'arrives au camp de pirates, quoi. Ou alors là? Ah mais y a pas assez de... Attends. Moi, tu sais. Toujours ma truelle avec moi. Oh là là. Là, je me suis un peu chauffé, là. Vous en faites pas, hein. Alors, on y voit que du feu. Ça qui est bien, c'est que vraiment, on a un travail. Qualité fait profiter les deux files d'attente. Ouais, mais là-bas, on peut pas, là. Elle est trop loin, l'autre. Vous vous rendez pas compte. Ah, mais c'est pas ouf. Tu vois, t'avais capté ce que je voulais faire, ça fait beaucoup aussi, quoi. Mais en vrai, là, si je fais ça, c'est bien, mais ça fait beaucoup aussi, quoi. Le camp à l'entrée, c'est pas mal, hein. En vrai. Juste, bah, de dos, t'as ça, quoi. Après, je peux foutre des petits bambous, Pas mal. En vrai, c'est vraiment pas mal. Monte, ça a changé quelque chose dans 83%. Bon, ça change rien sur le fait que on est clairement sur une attraction très peu rentable. Ouais. Contrairement à l'hyperjump. L'hyperjump, c'est quoi? De la rentabilité. Eh ouais. Du plus. Collection de cadeaux. Oh là là, mais là je te fous une collection de cadeaux. Un voleur coupable de 5 crimes a été appréhendé. Mais putain, c'est beau ça. Il te faut des nouvelles attractions. Ouais, il me faut juste celle-là bien. En fait, il me faut juste le hyperjump validé. Et une fois que le hyperjump est validé, je vais pouvoir avancer. C'est juste ça qui me manque, là. Honnêtement. Mais il va me falloir juste... Je vais faire des... Pourquoi je me fais chier? Je vais faire des petites plantes. Hein. La petite nature. Moi, j'aime bien la nature. Petit buisson, là. Des bégonias dans tous les sens. Du bambou, en pire. Là, je peux te mettre une haie de bambou encore. Eh, hein. Bambou, là. Allez, du bambou. Du bambou. Boum, petite haie de bambou, ce qui fait que tu vois pas ce qui se passe de l'autre côté. Je pensais pas à l'époque que je te verrais faire un parc d'attraction, mais ça, quel plaisir. Merci, là. Ah ouais, j'ai dit bambou ici. Enfin, genre bambou, là. Donc, forcément. Oh la vache. Et boum. Et là... Même si je suis un petit forceur, c'est pas grave. Parce que ça peut cacher aussi le... Ça dissimule, hein. Ah, c'est, on sent que c'est... Je sais que j'ai manque de goût là-dessus. C'est dommage. C'est dommage ce manque de goût, parce que sinon... Ah, on sent quand même le manque de goût. Hein. Ouais, là, il se ressent fort, là. Là, je l'ai en bouche, là. Oh, mais je vais en foutre partout du bambou. Après, tu vois, il y a peu d'arbres que je trouve stylés, hein. Honnêtement, hein, je peux te foutre un arbre de Josué, mais bon... tu vois, il y a des arbres morts. Ah, mais quoi que ça a de la gueule, quand même. Un petit arbre mort... Ah ouais, non, mais il est chum. Arbre effrayant 2. Il vaut pas cher, en tout cas. Tu vois, les arbres morts comme ça, là, enfin, c'est pas beau, quoi. Il y a des jets d'eau. Je peux mettre des petits jets d'eau ici. Et ils ont déjà de l'eau à côté, quoi. Tu vois. En vrai, eux, ils sont bien. Eux, c'est les mieux du parc. Je trouve. Je peux te foutre des petits cactus. Je peux te foutre des cactus comme ça, là. En fait, le souci, c'est qu'il sort trop sa gueule, l'autre, le gros, là. Moi, je veux des petits cactus. Du coup, quand on veut un petit cactus... Regarde bien, c'est une technique. Hein. Boum. On dirait des doigts qui sortent. Oh là là, mais quelle infamie ce que je propose. Oh la vache.
Bambou plus cactus, c'est bizarre. C'est vrai que... Je m'écore. La note, c'est la décoration. Ouais, mais je sais pas quoi mettre de stylé, tu vois. Là, je t'avoue que j'ai pas un truc où je me dis... Peut-être une petite poubelle, en vrai. Une petite poube. Oh, il y a des poubes à l'entrée, déjà. Un banc. Qu'est-ce que j'aurais aimé. Genre, j'aime bien les trucs... Un petit abreuvoir, là. On gagne des sous. On gagne des sous. Plus beaucoup, là. Là, on est un peu dans la merde. Le parc évolue. Hein. Non, mais c'est trop vert. Là, je fais des trucs. C'est beaucoup trop vert. C'est beaucoup, beaucoup trop vert. Il me faut des trucs un peu sympas. Un arbre en pain d'épice. Non, mais putain, c'est pas possible que je clique que sur les trucs de mort. Un arche. Une arche requin. Que des trucs de mort. Un arroseur rotatif. Oh là là. Quoique! Oh non, c'est chum à la mort. Oh, j'abuse là. Quoique, ici, ici. Oh, ici là. Il faut arroser hein, dans le coin aussi. Hein. Ah, ils sont mignons eux, mais. Des requins en haut. Non, non, attendez, attendez. Je cherche des. Tu vois, ça, c'est moche ça. Au milieu de la queue, l'arroseur rotatif. Un chapeau. Ouais. Un bouffon chevalier. Là, ça va commencer à me parler là. Bus de visite de studio détruit. Mais là, on est dans quel thème, là, déjà? On est dans le thème survie, hein, de toute façon. Hein. Moi, je suis clairement dans le thème survie, ici. Il manifeste son mécontentement, le mécanicien. Eh, mollo, hein. Cascadeur pirate assis. En fait, à chaque fois que je sais pas quoi faire... Parce qu'en fait, je sais pas, hyper jump, c'est quoi, comme... Oh, non, mais moi, en fait, juste... Juste, en fait, je suis né pour être pirate. Je suis pas né du tout pour être un végétal. Et c'est vrai que du coup, j'essaye. J'essaye de plus en plus. J'ai oublié de mettre des drapeaux. Attends, me force pas, parce que là, sinon, ça va être... Je vais t'en foutre partout. Petite chaise. Non, mais on va pas foutre des cercueils, tu vois. Là, le souci, c'est qu'il n'y a pas de thème. Tiens, c'est une charrette. Il n'y a pas de thème dans cette attraction, il n'y a pas de thème. Ça, c'est un vrai problème. Du coup, je fous des charrettes. Qui volent. La charrette est pas si mal. Non, mais au bout d'un moment, 70%. Voilà, je comprends pas pourquoi... Vas-y, je te fous 2-3 arbres, là, ils vont pas me faire chier. Hein. C'est bon, c'est mon parc. Moi aussi, j'ai vu les derrière les coulisses. Hein. Pas si beau que ça. Hein. Ah, je te fous du cyprès de Toscane, là. Non, mais ça a aucun sens, du coup. Un fromager? Oh, le fromager, parfait. Alors là, le fromager... Je pensais pas que je l'aimerais, le fromager. Mais j'en suis tombé amoureux. Et je pèse mes mots. Hein. Amoureux. Non, il voit plus, là, du coup. Faut mettre des nuages pour être trop loin de la queue. Ça, mon pote, y a aucun souci. Moi, si tu me parles de fromager à mettre, boum. Et du fromager. Il y a trop d'arbres. Trop d'arbres différents, là. Ah, que c'est dur. Peut-être ça, je peux le dupliquer. Et je peux le foutre là. Et ça, le fromager, je l'amène là-bas, là. Parce que là, ici, et ça, je le mets là. Oh là là! Oh, des chats qui aiment leur streamer auraient spammé masterclass. Hein. Pouf. Quel claque. Ok, tout est en bénef là. Sauf le carousel, mais on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Bon. Alors, on continue, je pense. Alors, je vous explique un peu mon plan. Psychola 2 est en panne. Bon, déjà, ça fait chier ça. Parce que là, on avait quand même pas mal de bif là. Je pense que les temps d'attente de plus d'attractions sont très longs. Ah ouais, mais mon pote, le souci, c'est que vous continuez à venir en masse aussi. Moi, je veux bien Boomboat. Boomboat, je le mets à 11 balles, quoi, si tu veux. Et Boomboat, vous continuez à payer, regardez la file d'attente que vous faites, quoi. À un moment, c'est comme vous le sentez, les gars. Passe prioritaire, on est largement. Le baisser de 50%, c'était vraiment bien. Alors, il va nous falloir une nouvelle attraction. Décoche le temps d'attente max. Tu penses? Il faut décocher ça? Est-ce qu'il y a des pros, là?
Putain, attendre qu'il y ait une attraction maximum pour atteindre le temps d'emplissage. Non, je pense que c'est bien, c'était le temps minimum qu'il fallait mettre. Remplace le carrousel. Ouais, mais le carrousel, tu vois, il me fait perdre 20 balles. Mais au moins, il y a des enfants contents. Vous savez, moi, j'aime les enfants. J'ai une nouvelle attraction. Oh, c'est vrai, on n'a pas vu ce que c'était. C'est quoi? Je crois que c'est une attraction sur rail. Non? C'est quoi? C'est une montagne russe? Comment elle a l'air stylée, celle-là? C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Oh, comment ça a l'air stylé, gros? Les gens, ils ont mis que des notes de ouf. C'est 27 000, hein, mais... Faudra habiller les extérieurs de tes stands. Ouais, va falloir faire ça aussi. Mais déjà, faudrait faire une entrée. Hein. Premier truc, ça serait l'entrée, je pense. Hein. Qui est quand même le truc qu'on a peut-être un peu négligé. C'est quoi j'ai débloqué quoi, moi? Ils m'ont dit que j'avais débloqué l'attraction, je la vois pas. Comme l'impression de m'être fait baiser, là. Particulier comme sensation, ça. Attends, hein. J'avais été en recherche, là. Lancer la recherche, attraction sur rail. Non, ben non. Tout le monde à bord. Eh. Personnaliser. Non, personnaliser, c'est pour la faire. Me dis pas que juste... J'ai... On fait l'objet de préparation. Parfait, mon frère. Et les visiteurs ne sont plus prêts pour payer un surcoût. Il y a des gens ici qui sont en mode... J'évite de perdre un temps fou. Ah, les gens sont très contents. Ils payent 10 balles, ils sont super contents. Le plus d'entrée de parc pour les visiteurs, ça fait joli. Qu'est-ce qu'ils sortent? Mais tout le monde sort content. Hein. En vrai, là, on est au top. Hein. Quel temps d'attente il... Ok, parfait. Non, mais me dis pas que juste, genre, j'ai débloqué cette merde, là. Si tu la vois dans personnalisé. Mais j'ai vraiment juste débloqué cette merde? Juste des wagons? Parce que là, c'est juste un wagon. Hein. C'est ça que j'ai fait, là? Genre, c'est pas une attraction que j'ai cherché, c'est un wagon. Genre, et là, je suis en train de relâcher 1000 balles pour un nouveau wagon. Oh, j'arrête ça. Oh non, mais c'est trop dur. À chacun son tentacule. Après, il faut la créer toi-même. Oh. Moi, je vais te chercher une attraction sensation forte. Hein. Montagne relime. Une attraction qui envoie du bois. Ah oh, bah ça, moi, je veux ça, là. Fromage vintage. Coût total, 3000. Priorité à la pesanteur. Et roue libre. Mon empire pour un looping. Oh, ça a l'air d'être stylé, quand même. Leur truc. C'est pas que le wagon. Traction à sensation fort. J'ai quoi comme public, moi, déjà? J'ai un public d'adulte. Hein. Et ouais, les gars, on a le public qu'on mérite. Hein. Et ça, c'est beau. C'est radin, un peu, dans 47 balles, ça va. C'est les familles qui lâcheraient un. Bah, moi, les adultes, je vais leur mettre ce qu'ils méritent. Hein. Moi, je vais rechercher du... Je vais rechercher du... Des... Je vais rechercher des trucs sensations fortes. Voilà, boum. Tout ce qu'on veut. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, vraiment, on refait l'entrée? Est-ce que ça vaut quelque chose de refaire l'entrée? Ça, déjà, c'est ma première question, tu vois. Parce que, clairement, je pourrais te foutre une entrée. Déjà, tu te dis... Holy fucking shit. Non, ça serait une entrée d'attraction. Arche du scorpion. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Camion accidenté. Oh, le camion accidenté, mais c'est ouf. L'entrée, c'est de la perte de thunes. On est d'accord ou pas? Ça, je sais pas, tu vois. 12. Ah, un peu cher, quand même. Hein. Il y a 12 mecs qui se sont dit... Oh là là. Oh là, 200 balles. Non, non, non. Bon. Dans l'ensemble, on est bien. Juste qu'il n'y a pas de soleil ici. Il doit faire un peu froid. Mais tout le monde a l'air content et ça fait du bénef. Je vais passer à 9 balles. Parfait. Alors, c'est la déco qui compte, pas l'entrée. Du coup, ce qu'il nous faut, ça va être une attraction. Alors, parce que je vous rappelle, le plan était de faire donc ici, donc déjà, bah, tout un parc qui, honnêtement, commence à avoir un peu de gueule. Là, derrière, le but était de faire un rond-point. Un rond-point avec une giga cascade au milieu. Ça, c'était le plan dans ma tête. Hyper jump est en panne. Oh, ils nous font chier! Oh, fait chier! Une attraction sur rail. 200 boules pour les gamins, tu gardes que le public adulte. Mais je pense que le souci des attractions sur rail aussi, c'est qu'elles sont pas non plus folles. Hein. Y'a quoi qui pourrait être sympa?
Ah ouais, mais ça, ça te prend un truc de malade. Oh, les pickpockets, on a réussi ce défi-là. Putain, comme quoi, mettre des caméras, c'était bien. Moi, j'ai, honnêtement, j'ai limite envie d'économiser pour Copyright Strike. Mais c'est dans tellement longtemps. Genre, j'aurais jamais 27 000, mais waouh, tellement classe. L'enfant, tu sais. Oh là là. Oh, tellement stylé. C'est quoi, ça? Quoi? Pas mal, ça. Le karting, je l'ai pas encore, mec, dis-toi. Ça, c'est même pas du karting, c'est genre une balade un peu panique au parking. Alors ça, je crois que c'est... Ouais, ça, c'est un truc où... Oh, The Witch Hunt, elle a l'air pas mal, mais elle a l'air chiante, quoi. Elle a l'air chiante et du coup familiale, un peu. Tu vois. On s'éclate pas de ouf, quoi, en faisant ça. Moi, j'ai envie de faire... Bon, on a fait Boom Boat, là-dedans. Attraction tout court. Qu'est-ce qu'on a fait qu'on... Enfin, qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on pourrait faire? Insanity, hein. Insanity a des bons ratios, hein. Insanity, dans ce que je recherche, a des bons ratios. Ascendance a des bons ratios. Qu'est-ce qui est mieux? 4,32, 4, 3,98. 4,18. Non, c'est... Mais pourquoi j'ai fait Hyperjump qui a l'air d'être le moins bien? 4,36, 4,52, 4,61. 4,36. Oh, ça fait un peu plus peur, mais un peu plus de nausée. Insanity montre un peu ce que c'est. Insanity a pas l'air de prendre tant de place que ça. Insanity, hein. Insanity, en plus, il y a un bon... Il y a un bon truc de rétention. Et on va la foutre là, Insanity, hein. Je fous Insanity là, tu vois. Très tranquillement. Et ensuite, je crée la place. Fais la place, non, avant. En fait, le souci, c'est qu'il me manque... V'là les trucs, quand même. Fais coureux. Cet endroit est d'un sinistre. Ah, carrément. Au point de courir? Cette zone est un peu quelconque. Ouais, ici, c'est un vrai problème. Ici, je pense qu'on a, on a un vrai souci de... C'est moche. Hyper jump, toujours donne. Et ils attendent? Il fait quoi, Waldo, là? Eh, hey, hey, frérot, frérot, là. Wow, 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 là. Qu'est-ce qu'on branle, là? Waldo! Il est où, Waldo? Répare une panne, hyper jump. Ok, Waldo. The Madness est en panne. Hop, 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 hop. On a qu'un Tekos. On recrute, on recrute, on recrute. Attends, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être être bloqués. On recrute un mécano. Boum, mécano. Alors lui, ça, je peux te dire que c'est de l'intérimaire, ça. Ça, je peux te dire que ça va pas durer plus de... Me dis pas qu'il va faire tout le tour. Parfait, il peut rentrer de l'autre côté. Ah bah ouvrez-lui. Ouvrez-lui. Ah, parfait. Rentre. C'est bien. T'en es où, toi? Ah, mais t'en es là, toi? Il a démissionné. Putain, on l'a vu démissionner en live. On l'a vu, genre, démissionner en live, quoi. On a vu que moins 200 la note d'évolution du parc. Mais les gars... Oh, l'enfer, quoi. Et je me donne, moi. En vrai, il faudrait limite une attraction là, quoi. Genre... Pff, c'est osé, quand même. Mais si j'arrive à glisser ça... Si je fous Insanity comme ça... Que je dé... Là, si je déplace la file de... T'as perdu du temps avec ton volcan tout naze. Boutique. Bah, les gens veulent pas acheter tant que ça. Oh là là, moins 1400 balles, là. Après, on a nos deux attractions qui tournent pas. C'est bon, c'est réouvert, c'est réouvert. Arrête de tout coller. Bah après, on me dit qu'il y a trop grands espaces. Et que c'est trop grand. C'est un peu ça, le souci, quoi. Non, c'est pas une foire. Marque un point aussi, toi. Tu vois, là, si je voulais faire... Non, j'étais en quoi, là? J'étais en 10, ici, comme ça. Attends. Oh là là, elle va avoir une sale gueule encore, cette place. Hein. Putain de merde, tout a une sale gueule. Pourquoi tout a une sale gueule? Arrondis le truc. Je sais pas faire des arrondis, je crois. Oh, y a un souci, là. Y a un souci de courbe. C'est pas si mal, hein. Je le gère, quand même, l'arrondi. Hein. Hey! On dirait un dessin d'enfant de CP, mais en bas à droite, compas. Ah, c'est où les... Oh! Ben non. Sélectionne la grille.
Suis les mouvements et pivote. C'est ça qu'il faut faire? Comment ça? J'ai pas l'impression d'être plus aidé là. Ah si, c'est pas mal. Ah ouais, ça tourne là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Pas faux ça. Ah non, non, je vais pas faire ça. Mais là, du coup, je suis un peu... C'est pas mal, hein. En vrai, c'est pas mal, non? Moi, je trouve ça bien, là, maintenant. Se promène, vide une poubelle, se promène. Lequel? Désolé, toi, t'es pas de la meilleure humeur. C'est dur. Pas blonde, c'est dur. Ça, c'est dur. C'est pas rond. C'est éclaté? Mais est-ce que vous trouvez ça toujours éclaté? Si je me retrouve maintenant, tout de suite. Ah bah. Ah bah oui, c'est éclaté là. Y'a pas la grosse cascade? J'étais en mode, je mets une grosse cascade au milieu, ça va faire un truc de ouf. Applique-toi, Domi. Mais non, mais c'est... en fait, c'est juste que je suis parti ici légèrement différemment. Mais sinon, c'est un rond quoi. Bon, c'est vrai que c'est un. Ouais, attendez. Non, mais je vais vous le faire dans l'autre sens, du coup. Parce que moi, j'ai bien compris que... Alors. Faut y passer 150 heures pour que ça claque. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, nous nous battons. Alors, attendez. Là, faut que je parte en cercle. Genre, le cercle, vous le voyez comme ça. Vas-y, je clique. Ah bah non. Ça fera jamais un beau cercle, là. Faut que je ferme plus, l'angle. Ah non, mais j'ai un souci d'angle, j'ai un souci d'angle. On va faire les mathématiciens. Attendez. Je vous supprime l'allée... rapido... ici. Je vous supprime ici. Ok, maintenant, je vais vous faire une vraie allée. Maintenant, préparez-vous, ça va claquer. J'espère qu'il n'y a pas de jalousie dans le chat, hein. Non, mais gros. C'est de la merde, votre outil. Votre outil est à chier, quoi. Enfin, c'est genre... il y a un moment où moi, je clique sur vos outils, quoi. Tu vois, genre, je me donne. C'est le parc point d'interrogation. Oh là là! Les messages sont carrément disponibles du ciel! Et ça, c'est beau, ça. Tu gères pas... J'ai bougé? J'ai bougé quand? Là, tu penses? Là, si on dit que j'ai bougé là. Oh, ça va vomir. Ah, mais on dirait un ballon. On dirait un ballon, tu sais, on dirait les enfants avec... on dirait les hydrocéphales, là. Non, mais c'est... Peut-être que la place, je la fais trop grande, aussi. Je la fais peut-être trop grande, la place. On est peut-être sur ce souci-là, aussi. Je comprends quand même pas bien, ce outil. C'est impossible, mais je suis mongol. J'ai l'impression d'être mongol quand je joue à ce jeu. Si je fais juste... Mais il faut faire une placette, en fait. Ouais, on n'est pas obligé de faire tout en grand. Voilà, une petite plaçounette. Mais oui, une petite plaçounette. Mais oui, continue quand même. Oh, mais frère, il y a un souci, là. Genre, je comprends pas. Je comprends pas, j'ai envie de... Aligner angle. Aligner sur l'angle. Et tu penses je mets combien de degrés? C'est moi qui dirige quand même. Au pire, fais un carré. 30 degrés, je mets? Vas-y, les géométriciens, là. Ah mais là, c'est déjà dégueu, là. En fait, je suis désolé, c'est obligé de... C'est les géomètres, oui, pardon.
En fait, c'est obligé d'être moche. Je pense qu'on en revient surtout à ce problème-là principal. De... Moi, je vais faire comme j'ai envie. Alors, attendez. Parce que c'est déjà tout un truc, comme j'ai envie. En tout cas, elle pour... Oh non, je repère de l'argent, là. Je veux la grande cascade. Elle est où, la grande cascade? Statue mystérieuse. Oh là, mais il nous reste encore tellement. Fontaine futuriste. Pff. Oh là là, tout ce qu'on a à mettre encore. Oh, m'en dites pas tant, m'en dites pas tant. Cascade, boum. Natural cascade. Donc, merde, j'ai pas vu. Oh non, je me mets là. Alors, PA fait d'abord une croix de même longueur et après relie les quatre bouts et tu finis à la fin par supprimer la croix. Merci Nico. Alors. Une croix de même longueur. Vous avez tous l'air de mettre plus, hein. Une croix de même longueur. Ah, en mode je fais ça, ça, et ensuite je relie les embouts. Ah, mais la question c'est on part d'où, tu vois. Faut relier où? Faut relier là. Parce que tu vois, il y a déjà un bout là. Il y a déjà un embout qui est pas compté là. Par pas de la route. Ouais, voilà, tu vois, c'est peut-être ça le souci. Mon souci, c'est peut-être ça. C'est peut-être de dire... Oh, je la refais. Ah, mais je peux pas créer une allée à partir de rien? Par exemple, je dis que c'est là, moi, mon allée. Voilà. Là, on parle des vraies choses. Et que je fais... C'est déjà pas droit. Tu vois, déjà, ça commence. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde un peu, là. Attends. Là, c'est droit. Là, c'est pile droit. Là, je suis dans un vrai truc, là. Ouais, c'est pile droit, là. On y arrive doucement. Allez, 1, 2, c'est pas droit. Brave. 3, 4, 5. Là, il y a déjà 1, donc. 1, 2, 3. Je suis trop con, putain. Il faut faire de l'autre côté aussi, le Mongol. 1, 2. J'aurais dû faire 6, parce que 5. 5, c'est con. 5, c'était forcément con, non? 1, 2. 5, c'était forcément con. Oh là là, putain. J'ai eu 14 au bac de maths, quand même. Je sais pas comment j'avais fait. Putain, c'est incroyable que j'arrive à gérer mon parc malgré tout, quoi. Attendez, je supprime des petits... Je suis juste un petit peu parano, je veux juste quelque chose de beau, quoi. 6, c'est trop grand. Ouais. 4, c'est bien. Je pense 4, c'est bien, ouais. 1, 2, 3, 4. On refait. Là, nous avons 1. Là, nous avons 2. Mais on n'a pas vraiment 1 sur le premier, parce qu'on a 1, mais on a 1 plus une petite merde, quand même, tu vois. On a 1, 25. 1, 25. 2, 25. 3, 25. 4. C'est autant, là? J'ai l'impression que ça, c'est plus petit. Mets la grille. Sélectionnez la grille. C'est trop bien, la grille. La grille m'impressionne. C'est bon. C'est tout pareil. Oh, la grille, c'est fabuleux! C'est vrai qu'à chaque fois, je vous lisais écrire grille, grille, grille. Et là, du coup, je fais comment, là? Eh, c'est un génie, merci Nico, hein, d'avoir donné cette technique. Une petite place. J'ai une petite place. Je suis là, tranquille, j'ai ma petite place. Pour en mettre des trucs dedans et tout, j'ai ma petite place. Ah si, c'est bien, merci Nico.
Ah, on est bien là. Merci Evil the Terror pour le troisième mois. Mr. Wooz pour le deuxième mois. Corrigan qui a lâché son Twitch Prime. Bienvenue à toi, Erin, Sensei, Calix, Krixi, Kawa, Kawaro, pardon. Eusebus et Meax. Merci les potes pour les subs. Et pour les resubs. Par contre, j'avoue que pour une cascade, ça va être petit. Hein. Ah ouais, mais là. Oh putain. C'est du level CM2 quand même. Ouais, mais faut connaître les outils, quoi. Il y a moyen que tu lâches ta playlist. Bah là, on est clairement sur une playlist. Attends, j'ai fait tout ça pour rien. Est-ce que je peux, question con, tu vas faire ça? Ah non, je peux. Je peux pas prendre ça là et le déplacer un peu à gauche. Hein. Il faut faire plus gros, putain. Mathieu, monsieur, merci. Le combat n'est pas terminé. Mais du coup, je dois faire un de chaque de plus. Ce qui va rendre monstrueux. J'ai les mêmes problèmes qu'avant. Même problème de tocard. Je vais pas diminuer la longueur. Non, là, c'est au minimum en vrai. C'est la largeur. Fait plus loin encore. Attendez, on refait. Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que... Non mais si je fais plus loin, il y a un moment où il faut que les visiteurs ils continuent à aller dans le parc, quoi. J'ai gardé l'angle. Ah oui, merde. Utilise la grille. La grille est propre. Passe à 20. Je peux pas la passer à 20. Faut pas... Pour respecter l'angle, il faut pas que tu mettes 30, mais 25. Putain, ça, c'est déjà encore plus intelligent que les autres. Ah non, 22,5. Ah, ils sont techniques aussi. Il y a moyen d'enlever l'angle. Ouais, je peux. Mais tu vois, quoi qu'il arrive, ça... Ah ouais, si, là, on était bon, là, pourtant. Voilà, boum. C'est une roue libre. Hein. Là, clairement... Je trouve que ça faisait une demi-heure qu'on faisait des trucs. Que là, je suis en train de d'effacer en 2-2. Là, il y a un trop, là. C'est du feeling. Vous savez, gérer un parc, c'est aussi beaucoup de feeling. Gris clic droit sur le sol. Je le fais là. Ça fait rien, sélection de la grille. Ça fait rien, putain. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir, tout ça parce que je voulais une place. Ah, avec le compas, c'est plus propre avec ton cas. Grille W, clic sur le sol. Ah, tu me fais tout détruire, toi. Ok, on a besoin d'un plan. On se fait combien sur combien? On a fait, je crois, 4 sur 4, ce qui était pas mal, ce qui était juste un peu petit, mais pas si mal, en fait. Hein. C'était juste, je pouvais pas foutre une grande cascade. J'avoue que j'aimerais bien... Au pire, je mets la cascade et je construis le truc autour. Sinon, ça réduit tous les soucis. Hein. Parce que moi, j'aimerais bien 6x6. On se fait un 6x6, tu vois. Moi, mon idée était d'avoir la cascade ici, tu vas vraiment d'avoir un truc un peu paisible. Boum, t'es en cascade, juste à côté, t'as le lac, t'as tout ça. Place la cascade et construis autour. 6-6, mais t'éloignes de la route. Utilise ton compas. Donc c'est mon meilleur ami, mon compas, là. Fais-toi plaisir. Oh bah là, mec. Là, on est sur du gros kiff. Hein. Parce qu'en fait, il y a... Pouf, tu vois, il y a toujours ce truc-là, là, de base, qui fait que... Là, je suis à 2, en fait. 3, 4, 5, 6. On est droit. J'ai réussi à faire ça, c'est quand même ouf. Hein. C'est un talent, je pense, hein, d'être aussi... La grille, je sais plus comment la faire apparaître. La grille est un cheat. Planet Coaster a tweeté. 2. 3. 4. 5. 6. Petite grille. 3. 3. Donc il faut ouvrir ici. L'utilisation de la grille est quand même très belle. Hein. J'espère que vous l'appréciez.
On a déjà 1 ici. Donc 6, on est dans la merde. Mais clic. Je comprends pas ce que... Faut faire 5. Non mais attendez parce que... Il me faut un nombre impair. La grille me fait un peu peur moi. Ah, la grille elle est pression. Oh ce live de teubé. Oh j'aime. Merde. J'espère qu'il y a des gens qui se sentent un peu plus intelligents que moi et qui me jugent. Putain, on peut pas bouger cette grille. Ça commence à m'énerver là. 7, mais 7 on se retrouve au bout du monde gros. Quoique, 7 on est là. Parce que le but était quand même d'avoir des attractions qui partent après sur les côtés. On va faire 7. On va faire 7. Nous te jugeons. Ouais, je sais bien, gros. C'est pas grave. Ça se comprend, quand même. Bon, je fais 7. Grille, je comprends qu'il y a 3 et qu'on peut mettre 3 de l'autre côté. Après, je sais pas trop ce qu'on peut en faire. Donc, c'est pas grave. Moi, je fais au feeling. Moi, je sens que le milieu... Petite grille. Petite grille. Bah, le milieu, il est là. Ouais, les gars. 1. 2. 3. Pas plus. 1. 2. S'il faut un de plus, en fait. Il y a un truc qui est trop long quelque part. Heureusement, nous avons l'outil grillé. Eh ouais, en effet, moi, grâce à l'outil gris, ma vie a totalement changé. Avant, je faisais des traits pas droits, et depuis ce fabuleux outil, regardez où j'en suis. En effet, mon parc d'attractions a vu ses visiteurs tripler. Ah, c'est pas très droit, du coup, ça permet de voir que c'est pas très droit. Eh ouais, ça permet de voir que j'ai un peu loupé. Ouais. Ah, si on relit, ça fait quoi? Que c'est pas droit du coup. Oh, ça m'énerve putain. C'est pas centré surtout. Bah, c'était à peu près centré hein, sur la suite. Hein. Ouais, mais tu vois, du coup, on a pas de liberté créative. On est dans de la grille. On est clairement dans de la grille. 3, 1, 3. Ah, mais comment tu vois, je sélectionne au milieu? Comment je sais exactement où c'est? Remets en clic. Mais ça, je comprends pas gros. Là je clique. Et là ça fait quoi si je clique? Ah, y'a genre de messe basse qui est possible. Ah d'accord. Oh non, qu'apparemment y'en a qui trichaient depuis le début quoi. Oh mais très bien, non, mais très bien. Non, oh, apparemment. Je suis le seul à vouloir faire par moi-même. Apparemment, il y en a qui sont déjà contrôlés par les machines. Mais c'est pas grave, c'est un choix. Chacun a le droit de faire son choix. Et là, derrière, forcément, là, c'est... Non, mais ça je t'assure, ça m'énerve. Je dois être teubé. Et je m'en veux d'être teubé, tu vois. Mais il y a un moment, je clique. Je sais pas ce qu'il a, mon clic. Mais il a pas l'air d'être efficace, quoi. C'est genre... je sais plus quoi faire. Le truc a toujours un angle chelou. Genre... angle. Oui, angle. Ah, c'est vrai, aligné sur l'angle. C'est peut-être ça. Ah, c'est vrai que c'est mieux. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Ah, j'ai paniqué. Un aérodrome, le bordel. Un aérodrome. Laissez-moi mettre ma cascade. Je vous en supplie, laissez-moi mettre ma cascade. Oh putain que c'est bon. On n'a plus de sous si on fait ça. Attendez. On va pas mettre la cascade tout de suite. Parce que là déjà, il faut relier. Alors il faut relier les trucs là. Il faut relier parce qu'on a 2500 balles et on perd des sous. Pas droit. Quoi, c'est pas droit?
J'en ai rien à foutre. Hein. Là, j'en ai rien à foutre. Non, qu'on reste amis quand même, tu vois, vous et moi, parce que... Sinon, je sens que notre relation va se dégrader et... Ah ouais, je vois ce que vous vouliez dire. Bah, j'aligne plus sur l'angle. Du coup, ça me permet de corriger. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. L'aller vers le bonheur. Là, c'est genre... C'est un cadeau du ciel, quoi. C'est un cadeau du ciel. J'espère que vous en êtes conscients. Bravo de participer à ça. C'est combien, c'est 5 mètres, la largeur? Est-ce que je fais pas un truc qui revient là, tu vois? Plutôt pour la sortie. Un gros lac au milieu. Bon, la cascade était bien. Sauvegarde. C'est exactement la même partie que la dernière fois. On avance à une vitesse folle. Et la dernière fois, on était à 11 survie. Je vais appeler ça. On est en moyen en plus, hein. Je crois qu'on est en train de le faire. C'est sauvegardé. Un requin au milieu. Non, non, c'est trop. Personne n'a envie de voir un requin comme ça. Un resto. Cascade plus eau autour. En fait, là, le souci, c'est que j'ai pas assez de sous. Mais j'avoue que j'ai bien envie de faire ça. Parce que... Si je mets ça et que... Et que je mets full eau... Mais le souci, c'est que je pourrais pas mettre si je creuse. Attendez, on essaie de faire un truc. Si je creuse, là. Imaginons, je pars en creusade, là. On va mettre une cascade quand même. Ah oh, mais là c'est genre... Ah c'est le Mordor aussi que j'ai fait quoi. Il y a un gosse qui tombe dedans, je t'assure que je lui dis c'est mort. Hein. Ah désolé madame, hein. Là c'est fini pour votre fils. Ah hein. Oh, il y a le Kraken qui est passé là. C'est quand même stylé. Hein. Ça a quand même pas mal de gueule. Hein. Oh, ça a quand même pas mal de gueule. Hein. Oh, ouais, 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 quand même. Hein. Là, Alors, ça flotte, mais c'est normal. Oh, putain. Chier, quand même. Je trouve pas de m'aligner au niveau, aussi. Ça flotte. Je suis où, là? On est dans les fondations, là, de la cascade. Ah, ça m'a l'air bon. Hein. Ça m'a l'air bon, cette température. Bon, j'ai plus une thune. Attends, ça coule par où, là, déjà? Ça coule par là, je crois. J'ai 100 balles, parfait. Non, mais attendez, parce qu'il faut qu'on rejoue. Non, non, pousse, j'ai fait de la merde. Là, il faut une sortie à ça, sinon ça va être fermé. Selon vous, est-ce que... On va faire. Là, de toute façon, le parc va... Ça, c'est la prochaine étape du parc. Avec ici, je pense peut-être soit un petit restaurant, soit un petit truc assez sympa, tu vois, là. Ou là. Mais c'est pour ça que je pensais, honnêtement. Imaginez, regardez ce que je pense, là. On se fait Insanity ici. Pourquoi tu veux pas venir dans mon parc, toi? Parce que j'ai pas les sous. Imaginez, on se fait Insanity ici. On est vachement bien, non? Non? Relie pas au centre. Je pense que ça, faut pas le relier au centre. Ça, faut le relier là. Attendez. On a encore une allée à relier, là. Qui va être la merde. Mais y a pas de place pour la file. La file, tu la mets où? Ouais, c'est un peu le souci, quoi. Parce qu'en fait, si je mets l'attraction, genre... Là... Ça se relie ici, tu vois. On relie... Meuble ta place. Ouais, mais il va falloir quand même centrer un peu, tu vois. Si ensuite je veux une grande attraction... Tu vois, parce que comme ça, on peut avoir une petite attraction ici, qui repique là, ensuite une autre attraction là-bas, relie à une allée qui part du centre. Tu n'auras pas de file d'attente. Utilise la grille pour relier la sortie. Putain, mais la grille, j'ai l'impression que c'est... C'est le hack, la grille, hein. Déjà, on va se relier à 4 mètres. Personne n'a besoin d'une sortie à 5 mètres. Hein. Ah, pendant trop longtemps, vous avez été prout-prout, les gars, là.
Boum. S'ils veulent le faire en boucle, ils le font en boucle. Mais ce qui fait qu'ils peuvent revenir quand même dans cette partie-là. Moi, je me voyais bien, tu vois. Attends, je réfléchis, parce que même ça, c'est une question, ça. Mets une attraction au-dessus, autour de la cascade. Si, c'est qu'on va pas trop pouvoir. En haut de l'affiche. Oh, pour tout ce que tu fais quand tu es comme ça, père. Merci, frérot. Moi, je pense qu'on va faire ça. Hein. Insanity, ici. Relié au pont. Et en fait, tu vois, genre, je pense que là, je fais tout un zigzag pour Insanity. Et ici, je relie à la sortie d'Insanity qui relie aussi là. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que t'as deux chemins possibles. Et juste après, on est en full colimaçon, quoi, sur le reste. Attendez, faut que je passe comme ça. Juste, on va gagner des sous ou pas? Parce que j'avoue que... Je pense que ça peut être bien, quoi. Ce qui fait que, t'sais, il continue à y avoir de la vie, quoi. On gagne pas trop de thunas, là. Qu'est-ce qui se passe niveau finance? Moins 2000, coût de construction, bénéfice. Qu'est-ce qui se passe niveau bénéfice? On est en galère, là. On est en grosse galère, on va checker un peu chaque attraction. Ça, on perd des sous. Normal, il y a eu une panne. Ça arrive. Là, on est encore bien, on fait un peu de bénéf. Là, on est en full... Non, hyper jumper, je fais un tour. Donc là, on était aussi en galère, donc ça arrive. Ça, bon, on sait pas trop ce que ça fait, mais ça a l'air de faire du bénéf. Là, les gens vont revenir ici, donc normalement, on va refaire du bif. Voilà, on va refaire du bif au fur et à mesure. C'est exactement ça. Les passes prioritaires, c'est pour les pigeons. Les passes prioritaires sont beaucoup trop chers. Ça a bloqué beaucoup de gens. Bon, je peux vous le mettre à 6,70, les gars. 6,75, allez. Allez, ça part. Allez, on fait un effort, les gars. Il y en a aussi qui ont besoin de se nourrir ici, hein. Ce serait gentil. 400 balles, hein, la boutique de souvenirs. Ça, c'est quand même un grosse réussite. Les hot dogs, c'est en négatif. Ça, c'est en négatif. Ça, c'est en négatif. Bon, bah, on va arrêter les distributeurs. On va faire un nouveau resto, je pense, hein. Je pense que, clairement, et le resto. 80 balles. Bon, bah, faut arrêter d'insister aussi, quoi, hein, si jamais... Je pense que là, clairement, il y a des messages qui nous sont envoyés, quoi. Statistique des ventes, bon, lui, il a de la chance, il vient prendre son hot dog, peut-être le dernier. On refait le coin toilette, bro. C'est vrai que le coin toilette est pas fou, hein. Le coin toilette, clairement, il fait pas rêver. Ça aussi, on perd de l'argent, mais c'est normal. Bon, on est quand même en bon bénéf sur le reste. On va pouvoir se faire mettre des animateurs qui incitent à aller manger. Pas mal, ça, ce que tu me proposes, toi, là. Elle est pas prioritaire, elle, là. Je pense que le temps d'attraction de plusieurs est trop long. Boomboat, ça, c'est long. Bah ouais, mais les mecs aussi, pas question de faire la queue aussi long. Mais les gars, c'est 7 balles, hein, du coup. C'est 7 balles, hein. Et Boomboat, ouais, aussi, Boomboat, c'est un carton, quoi, aussi, hein. Il y a un moment, je sais pas quoi vous dire, hein. 12, voilà, boum. Il y a un moment, les mecs, vous êtes là, vous venez, vous savez pas trop ce que vous voulez, vous bégayez, vous vous retrouvez finalement en panique totale. Bah les mecs, ouais, sachez pourquoi vous venez aussi, hein. Je pense que c'est ça que je dois vous dire. Le roi des sensations fortes, pas de bonne histoire sans méchant. Vous n'avez pas besoin d'aide, une héroïne, pour ceux qui aiment la bonne viande. Et eux, ils font vraiment le taf, eux, ou c'est de la merde? Pourquoi tu mets pas la place à 50 balles et tout gratuit? Il a dépensé 69 dollars. Et ça, mon pote, je peux te dire. Que 40 balles de billets d'entrée. Ah, quoi que ça aurait fait plus, ouais. Go spammer pour les barrières. Ah, il faut des barrières ici. Et il y a des barrières si je tape barrière. Ah, mais il faut des barrières un peu stylées. Je vais faire un truc trop stylé. Vous pensez quel type de barrière? Attends, parce que déjà, faut que je rebouche un peu, je pense. Non, ça faut creuser là. Voilà. Et là je rehausse. Intensité 34%. Voilà, c'est vraiment un travail d'orfèvre là. Là c'est vraiment un travail, c'est un travail minutieux là que je suis en train de faire. Boum, boum, boum. Là, c'est juste un travail pour justement que vos enfants puissent venir à pas blandes et ne pas y laisser la vie. Ça, c'est les normes de sécurité. Ah, moi, ça me tient à cœur. Les ronds, pas ronds, bon, ça, c'est autre chose.
Et les normes de sécurité. Pouvoir foutre des barrières là-dessus quand même. Terrible ce que j'ai branlé là, non? Un peu terrible. Regarde son argent. Pouf! On est en full bénéf! Je suis en full bénéf! Mais tu vois, je suis capable de vous regarder les yeux dans les yeux et vous dire je suis en full bénéf! Il faut savoir se le dire aussi, hein. Mets des barrières comme sur cette photo. Attends, je regarde. La cascade, on va se foutre la cascade. Ah ouais, elle est bien. Putain, elles sont bien ces barrières là. Attends, elles sont vachement bien ces barrières. Attendez, excusez-moi. C'est lesquelles par contre? Barrière métallique de mètre. Je crois que c'est celle-là. Hein. Ah bah alors ça, il n'y a aucune chance que j'ai aligné sur l'angle. Oh putain. Alors là, c'est quelque chose qui est en train de se lancer là. Oh là là, je le sens si mal. C'est déjà pas droit. Aïe aïe aïe. Pas en métal, mais elle est en bois. En bois, tu penses? Ça va rouiller, hein. On a pas peur de la rouille? Pas mal comme ça, là. Ça fait un peu archaïque. Il y avait des trucs de bois, là. Moi, j'aime bien ce bois, là. Ouais. Moi, j'aime bien ce... ce bois-là, là. Ça rouille. Ouais, non, ça... Non, je voulais pas dire que ça rouillait, en plus. Vous comprenez plus, vous. Je peux pas les... les Kezako là? Enfin les... Parce que ça va être très chiant là. Oh là là, oh, y a aucune chance ça. Coller sur les bords de la route. Tu penses on fait le bord de la route comme ça? Ah c'est peut-être plus joli ouais. Attends excuse-moi. Oui oh, pardon, j'étais bien en full bénéf. Oui oui j'ai eu peur un moment mais... Oh là là, bah là y a aucune chance là. Bah, je suis baisé. Dans aller, avancer apparemment. Avancer. Paramètres avancés. Support d'aller. Pente courbe. Aller avec bordure. Aller avec rambarde. Mais quel délice! Non mais... Rien à faire! Oh le bonheur! Rien à faire! Ouais, je fais juste du. Oula, j'ai réussi à louper le clic gauche. Mais quel. Quel délice! Oh, c'est magnifique! C'est magnifique! Oh, je vous la mets maintenant! Oh, vous l'avez mérité! Oh, je sais que vous pouvez plus attendre! Oh, c'est maintenant que ça va se jouer! Oh, quel bonheur. Oh, putain. Oh, quel bonheur, quelle douceur. Mais quelle douceur, pas blonde. Oh, mais quel bonheur. Ouf. Fais une vue du ciel avec la cascade. Mais attends, je te prends des plans de drone. Et là, regarde bien, regarde bien, regarde bien. Ça, c'est ce qu'on appelle un piquet dans le milieu de la réalisation. Ouh, j'ai totalement loupé. Fermez les yeux, fermez les yeux. On ferme les yeux. C'est bon, c'est fait. Allez, 3, 2, 1, on ouvre. Bienvenue à Pablande. Ici, vous pourrez venir en famille. C'est beaucoup trop rapide, c'est beaucoup trop rapide, excusez-moi. Pas assez haut. Pas assez haut. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pas assez haut. Il croit que je vais prendre des pas assez hauts comme ça et me laisser faire. Non, je prendrai pas de pas assez haut comme ça. J'ai une nouvelle attraction à poser. Quoi? Je repère des sous. Ah non. Ah non, c'est que j'ai acheté 2000 balles de trucs. Je me disais aussi. Non, 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 non. Sable dans l'eau. Bien sûr, un peu... Un peu de sable, vous pensez? Vous pensez un peu de sable, vous? Que ça va pas faire moche. Pas très beau le sable. Hein. Ça fait un peu la cascade qui a décoloré, tu vois.
Ce petit lever de soleil. Ah non, on est en forêt. Pff, oh là là. Eh, la note de parc. Putain, sa mère. Ah non, attendez. Juste. Hop là. Boum, boum. Voilà. Alors, je remets un coup ici parce que c'est vrai que les précédents propriétaires avaient. Ah, mais là, j'ai mis du verre qui tape, quoi. Du verre un peu trop intense, peut-être. On est dans un champ de maïs, là. De l'eau, PA. Il y a de l'eau. Enlève toute la terre. On peut pas. Un peu trop vert, ouais. Oh, mais du coup, je dois foutre du sable. Pour refoutre de l'herbe. Bon allez, c'est top, hein. Là, c'est top. C'est pile ce que je voulais. Attends, parce que ça reste un coin pas vert, ça. Là, on est un peu dans... On sait pas trop là où on est. On est un peu en mode... Là, on est dans le coin des bambous, là. Là, on est dans le coin des bambous, là. Putain, mais quel bonheur. Quel bonheur. Regardez ça! 800 personnes qui viennent et qui lâchent des sous. C'est une réussite, cette attraction. Regardez la file! Pas question de faire aussi longtemps la file, mais tiens, je te mets à 12 balles, frère. 12 balles, y a aucun... je te mets à 15 balles, vas-y, c'est bon. Hop, 15 balles. T'as pas d'argent, tu viens pas. Regarde, ça court, là. Pourquoi ça court? Estomac d'acier. Attends, mais je vais même mettre... Vous savez quoi? C'est l'heure de mettre Chief Beef. Chief Beef, il va mettre tout le monde à la bouffe. Et la bouffe, là, ça fait combien? Ça fait des sous? Moins 130. Il nous faut Chief Beef. Chief Beef, il va rassurer tout le monde. Alors, là, ce que j'ai prévu, c'est une nouvelle attraction. Une nouvelle attraction, elle est très simple, elle s'appelle Insanity. Je sais pas exactement ce qu'elle fait, mais en tout cas, on m'a dit que ça allait être du lourd. Et ça, je peux vous dire, tu vois, comme ça, ici, là. Ah, ça va être difficile. Ça va être difficile de bien la rendre, quand même. Hein. Écarte. Vous pensez que j'écarte? Parce qu'en fait, si j'écarte, c'est aussi la merde, après. Hein. Là, moi, je voulais mettre ici l'entrée, tu vois. Limite, ici, je peux grave mettre un truc. Y a pas un... Attendez, je vais faire des recherches de resto et tout. Moi, je pense que c'était pas mal. Hein. Ça nous permet ensuite de faire une grosse montagne russe ici. Ou une grande attraction. Je pense. Tu vois, ça nous permet de faire les deux. Parce que sinon, on va être en galère et on est tout le temps dans toujours plus, quoi. Ah bah, on a une nouvelle recherche. C'est parfait, ça. Service hôtel. Marque commerciale. Looney Blooms. Marque commerciale. Faut la mettre derrière un stand de bouffe. Parc a des traces de bronzage. Qu'est-ce que je sais pas moi ce qui... Bah je vais faire des hôtels. Aucune idée ce que c'est, donc allons-y. Alors, attendez. Insanity, elle m'a l'air pas mal cette petite attraction là. Parce que moi ce que je veux, c'est... Ça va être chum. Mais honnêtement, on est dans de la rentabilité. Alors je vous explique. L'entrée... Elle est là, vous allez me détester. C'est possible que vous me détestiez là-dessus. Hein. Alors, là, ouais, là, vous allez me détester, là. Parce que là, on est clairement sur... The file d'attente. Faut que ça soit beau, un peu. Oh, je vais te mettre un truc, ma gueule, là. Oh, là, vous me détestez, là. Là, j'ai senti un soupçon de détestation, là. Mais c'est parce que moi, je pense au fast-pass. Et là, je vois un fast-pass. Mon frère, c'est... Là, je vois un fast-pass. Ici, là. Boum. Qui est sublime. Un fast-pass qui t'évite toute cette queue, mais qui, en même temps, permet ici d'avoir une petite attraction. Et c'est pas si long que ça, quand même, tu vois. Vous trouvez ça long, vous? Mais tu niques toute la place, là. Honnêtement, là, je vois un chibre. Le forceur. Plus longue, non? En fait, plus longue, y a pas besoin de trop tu vois, de... Je pense que ça passe, hein. Affecte ton animateur au resto. On peut faire ça? Attends, je le fais juste après. Vous trouvez ça dégueu, vous? Un peu court. Moi, je pense que c'est bien.
Bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait. Ça, c'est bien le plus important. Ah, il y a la sortie. Alors, la sortie. Je vous dis ce que j'ai... Relie une file d'attente à une sortie d'une attraction. Hein? Ah, c'est bon. Moi, la sortie, j'ai prévu un truc... Bon, qui va peut-être pas vous plaire, comme d'hab. Oh là, on dirait l'usine. Un truc un peu comme ça. On dirait l'usine, là. Là, on dirait clairement l'usine. Mais au moins, tu sais, qui permet à eux de directement rejoindre le point central, tu vois. Plutôt qu'éviter de faire ça, ça. Aligne les angles. Aligné sur l'angle. Oh, mais je sais pas faire. Que c'est parce qu'il y a une poubelle qui veut pas que je fasse ça? Tu vois, il veut pas. Pourquoi je peux pas faire. Mais l'angle. Oh, la grille. Faut chier là, force. Je pense que c'est pas dégueu, mais juste j'ai du mal à me. Là, ici, il y a trop d'allées là. Là, il y a trop d'allées en fait. Mais tu sais quoi? Je veux pas que eux reviennent là. Je veux que eux aillent direct ici. Et comme ça, on se fait une double allée, un peu mouse, mais qui devient aussi une allée principale. Où là, il pourra y avoir un ou deux trucs. Bienvenue, Shoux. Moins large les allées de sortie. Ouais, c'est pas con, ça aussi. Mais voyez l'idée ou pas? Je coupe ici, parce que c'est chum, là. Il y a 20 mètres de on sait pas trop quelle merde, là. Ce qui fait que là, on récupère un peu d'espace pour décorer. Et je balance, clac, et boum! Et on se fait un vrai truc. C'est très moche, je trouve. La vie est personnelle. Si je demande juste au chat comme ça, qu'est-ce que vous pensez de Pablande? En un mot. Mais vraiment en un mot. J'imagine que c'est difficile en un mot de résumer cette œuvre, mais essayez, s'il vous plaît. Sublime, magnifique, incroyable. Attention, tout ce qui commence par Kla et qui finit par Ké sera bien évidemment permaban. Voilà. Ça me semble tout à fait normal. Alors, nouvelle attraction. 6 heures. On est un peu de la merde. Là, on est un peu à chier, ça. Attendez, je mets juste en pause 2 secondes. Parce que là, j'ai de l'allée à rebosser, là. Ah, je suis désolé, là. Là, j'ai fait un... Hop, là, ces gens-là, ils sont détruits comme s'ils avaient jamais existé. Mais dans ce cas, je peux rebosser un truc ici. Je peux rebosser quelque chose de beaucoup plus... Qui, au moins, vous... va un peu moins vous énerver. Ça va être exactement la même merde. Vous allez détester. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Boucle le manège. Non mais tu vois, moi je voulais faire un bail de... C'est moche en noir aussi, là, les allées. On dirait vraiment... Attends, je refais tout, là. Alors, du coup, comme c'est moche, je vais foutre un peu d'orange. Un peu de pierre? Mais ouais, pierre! Mais oui! Oh, c'est chum la pierre aussi, putain. Le bois, je l'ai déjà mis. Un peu de pavé. Oh, le pavé! Oh, le pavé! Oh, pavé, mon ami! Faut que vous imitiez l'accent. Pourquoi je fais ça, en fait? Pourquoi j'ai besoin de faire un ragondin, là? J'ai pas besoin de faire un ragondin. Je ne suis pas un ragondin. Laissez personne vous dire que vous êtes un ragondin. Croyez en vos rêves. Non, merde, c'est de la pierre.
Mais là, je sens que... Arrête d'aligner sur l'angle, là. Ah, laisse-moi faire un peu, là. Non, mais arrête. On se croirait à Valenciennes. Non, je suis désolé. Non, non, je suis désolé. Là, on dirait qu'on va à la mine. Désolé, désolé. Ah, désolé, tout... En plus, non, ça a dû rappeler des sales souvenirs, là. Non, 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 sale... Je suis désolé, les gars. C'est... Non, 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 c'est... Oh ouais, la vache. Oh, ouais, je l'avais pas vu comme ça. Non, non, mais c'est moi. Une mauvaise idée. Non, mais je fais même pas CTRL-W, là. Je mérite de perdre un peu de sous là-dessus. Je mérite... Le manège, je dois être mal placé. Bah, sinon, j'avoue que autant... Autant le mettre face à la mer, là. Enfin, face... Pourquoi je le mets un peu de biais, comme ça, chelou, là. Autant le mettre directement... Autant le mettre directement comme ça. Tu vois. Au moins, on est clair sur nos ambitions. Tu n'as plus de fric. Lui faire un petit décalé guada. Ça, c'est vraiment moche aussi. Hein. Putain, la vache, la différence d'aller et tout que je fais. Pour... Les barrières. Mais les barrières, on va pouvoir ouvrir. Pourquoi il le fait si loin ? Et ensuite, je ressors sur la même thématique que j'avais dit. Et ma sortie, elle est pas là. Je la veux là. Et là, il va nous falloir... Ouais, mais ça passera pas. Si, ça peut passer. Non, non, attends, du calme. Du calme. Et là, je fais clac, vroom, et là, juste un petit truc. Allez, on est bon. Alors, je place l'entrée à l'allée. C'est pas droit encore, putain, mais c'est vraiment un vide-chien. Bon, allez, on passe la seconde, là. Excusez-moi, hein, parce que, en fait, moi aussi, je réfléchis. Oh, ça a bugué. Mais ça l'a placé, putain. En fait, c'est juste que rien n'est droit dans mon parc. Tu vois, regarde. Toi, il y a une petite... Il y a un petit décalage. C'est pas joli tout droit. Ouais, c'est un peu le souci, tu vois. J'aime bien le contraste. En plus, quand t'es là, tu vois, tu vas le voir comme ça. Non, 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 j'aimais bien le contraste, en fait. Bon, allez, c'est bon, là. On arrête les conneries, là. Je le fais à ma vitesse. Je le fais comme je l'aime. Et... mais ça, du coup, c'était moche. Est-ce qu'un bois résistant, peut-être ? Bois résistant, un peu de lino. Non mais là, c'est trop gros les allées. Non mais gros là c'est du... Oh, quoi que c'est du largeur 3 mètres. Hein. Oh 3 mètres c'est pas si mal. Hein. Putain le gars qui n'arrive pas à se décider quoi sur les choses. Je suis un peu comme ça après dans la vie. Hein. J'ai mal à voir ce que je vais faire, là. Ça fait beaucoup de fils pour rien, en fait. C'est juste ça qui me fait chier. Juste que ça me fait... Ouais, ça me fait chier, ça. Non, je trouve ça trop moche. Je trouve ça trop moche, ce que je fais, putain. J'arrive pas à avoir du goût, là. Parce qu'en fait, en même temps... C'est bon, j'ai l'idée. Tout part de là. Alors, je peux vous dire que là... Frottez-vous bien les yeux, parce que je suis pas prêt de m'arrêter. C'est chum. Putain, mais ça a aucun sens ce que je fais, mais je suis débile. Ah, j'ai envie de m'insulter là. Pourquoi? Oh, quoi que si, hein. Si. Tout ça pour ça. Allez, si, c'est bien. Allez, ça plaît à tout le monde. En tout cas, moi, ça me plaît. C'est sublime. Pourquoi j'ai ça là sur une petite allée ici. Voilà, petite allée là. Là, la petite allée. Mon frère, tu sais déjà ce qu'elle va faire. Boum. Je la mettrais peut-être plus grosse. On avait dit plus grosse parce que
Elle va permettre des choses par la suite. Ok, c'est bon. Il me reste 1000 balles. Alors, il faut juste l'aérer un peu. Enlève les barrières. Quelle barrière? Ah, autour de tout ça, là? Sur toutes les allées que je fais? Bah, j'en ai toujours mis des barrières, en vrai. On fera ça plus tard. Là, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça, là, j'ai envie d'avancer, là. Parce que sinon, j'avance jamais, je fais toujours des petits trucs qui servent à rien, au final. Là, boum. Là, eux, ils prennent un arbre terrifiant. Est-ce que vous avez juste une idée de pourquoi ils prennent un arbre terrifiant? Parce que là, qu'est-ce qu'on va mettre? Ici, on va tout simplement mettre ça, les potes. Juste comme ça. Il y aura ça, après. Après, il y aura ça. Immonde. On le mettra là-bas, alors. Il va y avoir ça, en tout cas. Maintenant, vous le savez. C'est décidé. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, on a déjà fait crash pas mal d'hélico. Je pense, là, ça va être de l'arbre. Collection d'arbres. On peut faire du bien, un peu d'arbres comme ça, là. J'en ai pas mis beaucoup dans ce... Ça manque un peu, je pense. Je sais pas c'est quoi, ça. C'est des sapins, des grands sapins. Merde. Ah oui, putain, faut juste que je mette le fast-pass et ensuite... J'ai vu ça que je suis en pause et tout. Oh, l'enfer. Attendez, ça, faut faire tous les trucs techniques. Une seconde, capacité max, activer le fast-pass. Là, le fast-pass, il passe où? C'est pour ça que j'avais fait un truc avant. 2-0 Liverpool? Vraiment? C'est pour ça que j'ai... Parce que là, le fast-pass, c'est nul. Depuis l'autre allée. Non, non, ça marche pas comme ça. Ah oui! Liverpool! Fais le raccord avec la fontaine pour les arbres, non? Ouais, c'est pas faux. C'est bien, mais tu vois, les arbres de la fontaine, en vrai, il y a tout, tu vois, il y a un peu de palmiers. Il n'y a pas juste de grands arbres, tu vois. J'avoue, il n'y a pas de grands arbres en mode forêt, quoi. Depuis le rond-point. Ah non, j'ai oublié de la mettre... Je peux pas mettre les passes ici depuis le rond-point. Vous dites nimp. Les pires face-passe du monde, c'est pas grave. J'ai quand même bien envie de mourir, là. Refait, on allait sur le rond-point. Vous pensez que je la fais rentrer ici? Le souci, c'est que là, on va perdre grave de l'espace, quoi. Ou alors, là, c'est pour, justement, des petits distributeurs. Mais ça fait long, quoi. Ici, il y a quand même pas grand-chose pour tous les gens qui ont envie de venir. Ça fait quand même long d'aller jusque-là pour rentrer, quoi. Tu vois, c'est ça un peu le souci, quoi. Le rond-point est sacré. Décale l'entrée vers la droite, tu fais couper le fast-pass vers là. Tu pourras faire l'espace WC sur plus de place. 3-0. Oh ouais, Barça qui va prendre une petite remontada là. Là, c'est le fast-pass où tu gruges tout le monde. J'ai pas vu les barres. Putain, c'est ouf le match. Attendez, parce que j'avoue que c'est, putain, c'est complexe hein, quand même. On va faire des trucs toujours, c'est de l'opti là. Et live opti, j'avoue que... Bah écoute, en vrai. Mais on aura toujours la même merde. Et on peut pas faire entrer ici. Parce que là, je pense qu'il y a un problème. Du coup, on va faire ça comme ça. Alors... C'est beau dans ma tête, ça sera beau.
J'ai une petite attraction, mais elle est gentille. Allez. Ça, c'est bien. On va les fast pass, ils te font pas gagner grand... Ils te font pas gagner beaucoup de place, hein. En vrai, En vrai, le fast-pass, c'est juste un truc à pigeon, quoi. Bon, après, on assume que ça, c'est un truc à pigeon, le fast-pass, pour celui-là. C'est parfait. Allez. Bon, on est bon. Alors, du coup, ça, on va ouvrir. Et désormais, nous avons une nouvelle attraction.